Bonsoir les bousses et nos petits, je suis trop content de vous retrouver en ce mercredi soir. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur Nocting Game, merci d'être là. Installez-vous confortablement, nous allons débuter notre live dans quelques minutes. Bienvenue, merci à toi Gaming Sissi, la fée pas chier, coucou ma fée pas chier. Ça fait trop plaisir de vous voir, comment ça va les loulous? J'espère que vous avez passé un très bon début de semaine, et nous ne sommes pas mercredi, nous sommes jeudi. Ça commence bien, je me trompe sur le jour de la semaine, hein. C'est vrai qu'on a l'habitude de streamer les mercredis soirs et exceptionnellement ce soir nous streamons en ce jeudi, hein. Petite exception, on adore les exceptions, c'est ce qui confirme toujours la règle généralement. Je vais très bien, merci. Écoutez, je suis surtout ravi de vous retrouver, vous avez pas idée à quel point, mais ça fait trop plaisir de vous voir. Comment ça va ma fée pas chier, comment ça va Gaming City, j'espère que vous allez bien tous les deux. Qu'est-ce que vous me racontez de beau? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Écoutez, moi c'est bien simple. Hier, j'ai vécu une journée au top. M'a fait pas chier. J'étais à Disney. Voilà, j'étais à Disney avec mon chéri et deux amis. On a vraiment bien profité. C'était mais vraiment une journée magique, fatigante, mais magique. C'était juste génial de pouvoir replonger dans cet univers magnifique qu'est Disney. Et écoutez, on a enchaîné les attractions, on a eu beaucoup de chance parce que peu d'attentes, vous savez, hein, peut-être, en ce moment il y a la jauge à Disney due à la crise sanitaire, ce qui fait qu'il y a nettement moins de visiteurs et de touristes, donc du coup bah, on attend en moyenne entre 20 et 30 minutes par attraction, sachant que généralement c'est entre 1h30 et 2h par attraction, donc du coup c'était mais vraiment trop cool hier, moi j'ai gagné tous mes matchs de basket, yes, félicitations à toi Gaming City, je suis trop fier de toi, bravo. Écoute, le basket c'est un sport que j'affectionne tout particulièrement, je n'en ai jamais pratiqué mais j'adore regarder les matchs de basket, alors je suis mais vraiment un spectateur qui n'est absolument pas récurrent, mais je trouve que c'est un sport qui est juste magnifique, donc bravo, félicitations à toi. En tout cas, merci à vous d'être là ce soir. Merci. Regardez, j'ai un petit peu succombé hier. J'ai fait quelques petits achats à Disney. Voilà, alors rien de foufou. Je me suis acheté des petits pins. Est-ce que vous... pour celles et ceux qui me connaissent intimement, vous savez pour quelle princesse Disney j'ai opté. Alors, petit indice, elle sent très fort le thon.
Voilà, puisque elle vient de la mer, je parle bien évidemment d'Ariel. Voilà, j'ai opté pour ce petit pins que je trouve mais vraiment de toute beauté. Regardez-moi ça comme il est magnifique, c'est juste un truc de fou. Je le trouve vraiment sublime. Ah là là, je fais la petite mise au point des familles. Voilà, on le voit pas très bien, mais vous avez un petit aperçu, hein. Et regarde, m'a fait pas chier, c'est pas tout, hein. J'en ai pas acheté un, j'en ai acheté deux. Voilà le deuxième. J'ai laissé dans son petit packaging. Je te jure, j'ai complètement craqué. Et je suis trop content que tu puisses l'apprécier toi aussi. Et puis le dernier, bien évidemment, Vaiana, la base. C'est la base, Vaiana, c'est la base. En tout cas, mes petits bouts, merci d'être là. Vous inquiétez pas, je suis un petit peu malade dû au temps d'hier. On est un petit peu découvert comme ça. Donc ne vous en faites pas si j'ai la voix qui s'éteint un petit peu. Tout va bien. Je vous rassure, tout va très bien. Je ne suis pas fatigué. Je suis surtout heureux d'être là avec vous. Donc merci encore une fois. Je l'aime énormément, Vaiana. Eh bien écoute, Gaming Sissi, on a vraiment beaucoup de points communs, toi et moi, puisque j'ai regardé Vaiana lors de sa sortie il y a maintenant quelques années. Et figure-toi que j'ai kiffé le film. Je l'ai trouvé mais extrêmement touchant et extrêmement drôle. Et le cocktail des deux, c'était explosif. Et sincèrement, mais autant. Le petit cochon, je crois qu'il s'appelle Hey Hey, si je dis pas de bêtises, je sais plus le nom du cochon, Pei Pei, je sais plus. Et on le voit pas souvent, mais autant le coq, mais il est complètement timbré et c'est l'un des personnages qui me fait le plus rire dans un Disney. Il est génial. La fée Pachée nous écrit sur le chat, Disney, je ne peux qu'apprécier. Ah là là, mais oui, mais oui, mais oui, je te jure. À partir du moment où tu rentres dans le parc, c'est magique. C'est magique. T'as l'impression d'être dans une autre dimension, en dehors du temps. T'es avec des gens que t'apprécies et tu passes un moment, mais sublime, je te jure, la fée Pachée. Mais vraiment, c'est trop bien. Le cochon, c'est Pua, merci. Et c'est bien Hey Hey le coq. Merci, merci beaucoup, ma fée Pachée, pour cette info. C'est vrai que j'ai tendance à oublier leur nom. Génial, génial. Hey Hey, il me fait mais mourir de rire. Est-ce que vous vous rappelez de ces séquences sur Vaiana quand il est sur le bateau? Mais il est complètement mais timbré, ce coq. Il est juste mémorable. Il me fait mais mourir de rire. Et le cochon, trop mignon. Malheureusement, on le voit pas assez. C'est dommage. En plus, je pleure, moi je pleure sur tous les Disney. Mais je te comprends, Gaming Sissi. Quel est votre Disney préféré? Question très conne, parce que vous pouvez en avoir plusieurs aussi, hein, pas uniquement un seul. C'est quoi le Disney là qui vous a vraiment fait pleurer, qui vous a saisi? Hey, salut mon kilo, merci à toi d'être là. Ah, je suis tellement content, content que tu sois là. Et je te remercie infiniment pour cet abonnement, mon kilo. Merci, c'est ton cinquième mois d'abonnement. Et tu n'as pas idée à quel point ça me touche énormément, énormément. Merci pour ton soutien. Et surtout, avant tout, merci d'être là. C'est votre présence qui me touche. Et ça fait trop plaisir. Gaming Sissi écrit réponse. Il est super réponse. J'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé qu'il était assez moderne dans son traitement. Vraiment, on est avec un personnage féminin, réponse qui est complètement badass et qui ne se laisse pas malmener ou aider par son acolyte masculin. Elle est vraiment indépendante et ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Je le trouve assez moderne, réponse, et c'est vraiment trop cool. Cendrillon, c'est un grand classique, la fée Pachier. Tu sais que t'as cette espèce de nostalgie quand tu regardes Cendrillon. Pour moi, c'est la définition, effectivement, de notre enfance. Je ne sais pas de quelle année tu es, la fée Pachier, mais c'est vrai que tu as dû grandir avec les Disney, et de toute façon, c'est intergénérationnel, les Disney, hein, ça touche les 7, de 7 à 77 ans. Et c'est vrai que Cendrillon, tu as cette espèce de côté mystique, tu sais, avec cette tristesse et à la fois cette lueur d'espoir que représente la marraine et on adore. Alors c'est loin d'être mon préféré, c'est pas mon préféré. J'en ai plein. Alors je vais vous dire quelque chose qui n'est absolument pas objectif. Bah, comme vous le savez, c'est la petite sirène. Hein. Ça fait partie de mon Disney préféré puisqu'effectivement, voilà, je suis fasciné par les sirènes depuis que je suis un petit garçon. Donc ça me fait toujours rêver la petite sirène. Il y a Alice au pays des merveilles. Je sais qu'il n'est pas forcément très très apprécié du grand public, les petits bouts, et je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je sais que quand j'étais petit, il me fascinait. Il suscitait en moi une espèce d'inquiétante étrangeté, tu vois, de voir Alice perdue. En fait, ça te suscite toutes tes craintes et tes peurs d'enfant. Et je pense que c'est ce qui m'a marqué quand j'étais gamin. Et je trouve mais complètement what the fuck et super beau Alice au pays des merveilles, vraiment.
Et bien évidemment, La Belle et la Bête, un autre grand classique, La Belle et la Bête, qui est sublime en tout point, que ce soit les dessins, que ce soit les chansons. Je pense notamment à Histoire éternelle, chantée par Madame Samovar, qui est juste... elle me donne encore des frissons, cette chanson. Sincèrement, quand j'entends cette chanson, j'ai envie d'avoir une robe jaune et danser avec une bête poilue. J'ai envie, moi aussi, de me faire séquestrer par une bête. N'empêche, quand on réfléchit, c'est chaud, hein. La Belle et la Bête, elle collectionne les trucs, hein. La meuf, elle aime être séquestrée, pardon, et elle est zoophile. Donc, on adore. Bravo, Belle. Bravo, bravo, bravo. C'est ça quand on lit trop de bouquins, hein. Et oui, exactement, exactement. 92, intime, vieux Disney. T'inquiète, m'a fait pas chier. Moi, je suis 88. Donc, je compatis. J'aime bien, je me souviens, en une journée, je l'ai regardé au moins 4-5 fois. Ah ouais, Kilo, c'est énorme. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Ah là là, magnifique. Enfance brisée. Ah, enfance éclatée au sol, j'ai envie de te dire. J'apprécie pas Alice, pour moi, celui qui l'a fait a dû fumer la moquette. Eh ben écoute, la fée pas chier, figure-toi, bah tu dois le savoir, hein. Alice au Pays des Merveilles est adaptée du roman de Lewis Carroll. Vous savez, hein, Lewis Carroll qui a écrit Alice au Pays des Merveilles et également De l'autre côté du miroir. Et donc Disney, eh bien, s'est empressé d'adapter sur grand écran ce classique de la littérature anglo-saxonne. Et c'est vrai que c'est complètement what the fuck. D'ailleurs, Lewis Carroll, qui est donc l'auteur du roman, est reconnu pour... qui fait les champignons, si tu vois ce que je veux dire, et pas les champignons de Paris. Mais oui, effectivement, Alice au Pays des Merveilles, il est assez atypique. Mais pourquoi moi c'est la petite sirène? Pour plusieurs raisons. Je le trouve magique, je le trouve mais tellement touchant, et je trouve qu'il parle vraiment d'amour avec un grand A, celui qui est inconditionnel et qui te pousse même à faire des choses invraisemblables. On va pas se mentir, Ariel, elle change complètement d'espèce pour aller vers l'homme qu'elle aime. Après, Disney n'a strictement rien inventé, puisqu'effectivement, c'est adapté du conte d'Anderson, La Petite Sirène. Mais effectivement, je trouve ça quand même assez beau et dramatique, puisqu'il faut savoir que le conte original qui a inspiré La Petite Sirène est complètement sombre. À la fin du conte d'Anderson, La Petite Sirène meurt, littéralement. Elle se transforme en écume des mers, puisqu'elle n'a pas réussi à être aimée de l'homme pour qui son cœur bat si fort. Et c'est vraiment tragique, très très beau. D'ailleurs, je vous conseille Marina, La Petite Sirène, un anime que je regardais quand j'étais petit, qui suit vraiment l'histoire du conte d'Anderson et qui est vraiment à pleurer tellement que c'est beau et triste à la fois. J'aime beaucoup La Petite Sirène aussi, mais oui, on veut tous être Ariel, on veut tous avoir une grosse queue de poisson, hein, on veut manger des moules, on veut bouffer des huîtres, la fait pas chier, merde. Ouais, j'adore, j'adore, franchement j'adore La Petite Sirène. Après maintenant dans les Disney bien plus modernes, effectivement Réponse, que je trouve vraiment très cool, il est assez sympa dans le sens où il aborde vraiment des thématiques assez modernes, et à ma grande surprise, j'ai archi kiffé La Reine des Neiges, le premier, parce que le deuxième j'en pouvais plus avec Le Chant de la Forêt, mais le premier, La Reine des Neiges était vraiment cool parce que c'est vraiment une relation d'amour fraternel, enfin c'est la sororité entre Anna et sa sœur Elsa, et je trouve ça génial qu'un Disney se focalise sur les relations entre sœurs plutôt que entre une femme et un homme qui s'aiment au bout d'un regard, quoi. Hein ? Hey, mon Atalou Cthulhu, bienvenue à toi, je suis trop content de te voir, copain. Merci, merci infiniment d'être là, et merci, merci, écoute, de cet abonnement, 6 mois, plus que 3, et on va accoucher de notre enfant, mon Atalou. Est-ce que t'imagines? Je te laisserai choisir le prénom, mon Atalou, je compte sur toi pour rebaptiser notre petit enfant. je te préviens, la gestation est difficile, hein. Non, c'est ma pizza 4 fromages. Et toi, tu as préféré le 2 ou 1 alors? Eh, mon fifi d'amour, 14e mois d'abonnement, mais j'en bégaye tellement que c'est énorme. Je suis extrêmement gâté ce soir. Merci, mes petits hiboux, pour votre soutien, votre présence, vos follow, vos abonnements. C'est quelque chose qui, pour moi, a une importance énorme. Et ce que vous faites, mais c'est juste... énorme pour moi, vraiment, énorme, à tel point que je suis très touché et je suis super content que vous soyez là ce soir. Merci mon fifi d'amour. C'est trop mon fifi, faites attention à vous. Merci en tout cas, merci, c'est énorme, je suis très très touché. Bon appétit à toi mon fifi d'amour, et à tout à l'heure si tu viens nous rejoindre. Je t'embrasse très très fort.
La Fée Pachine nous écrit sur le chat, on est parti en mode discussion Disney hein, avant de commencer ce live sur Mythopia. Je déteste la Reine des Neiges, j'ai pas aimé l'histoire et en plus il y a une chanson qui me sort par les yeux. Oh mon Dieu, je vois de quelle chanson tu parles. Effectivement, c'est vrai que cette chanson, on l'entend énormément, libérée, délivrée. Je pense que tous les parents en ce monde ont détesté Disney pour ça, puisque quand tu entends ton enfant qui chante à tue-tête, libéré, délivré, je pense qu'au bout d'un moment, tu craques humainement. C'était juste pas possible. C'était juste pas possible de supporter tout ça. Vraiment, hein? On devrait lutter contre cette chanson. Mais plus sérieusement, blague à part, non, franchement, je trouve ce Disney très beau d'un point de vue du message, si je puis dire. Et c'est vrai que c'est cool la tournure que prend Disney. De toute façon, ils ont tout intérêt à faire ça, c'est-à-dire à s'adapter et à s'ajuster. Eh bien, à notre société, quoi, donc avec des discours beaucoup plus modernes. J'ai découvert il y a quelques mois les petits bouts, la Blanche-Neige, que je n'avais jamais vu, mais franchement, j'étais choqué. Les dessins sont magnifiques, la direction artistique est superbe, mais par contre, Blanche-Neige, qu'est-ce qu'elle est bête! C'est un truc de fou! Un truc de fou! Elle panique pour un rien, elle se cogne contre une branche, c'est la fin de sa vie. Niveau drama queen, puissance 1000. Et en plus de ça, elle rentre chez les nains. Qu'est-ce qu'elle leur dit en premier? Je sais faire à manger et je sais faire le ménage. Eh bah ben bravo meuf, c'est bien. Alors, bien évidemment, je prends ça sur le ton de l'humour. Le film a été, je crois, réalisé en 1933, donc autre temps, autre mœurs. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de regarder ce film quand t'es un adulte, après tous les autres Disney que t'as vus. De retomber sur Blanche-Neige, tu dis, ah ouais, quand même, quand même, quand même, c'est un film qui est encore dans son jus. Ça fait très bizarre. Non mais Blanche-Neige, c'est pas possible. Autant je suis un garçon qui supporte beaucoup de choses, etc. Mais autant cette princesse Disney, je ne l'imaginais absolument pas comme ça. Elle est insupportable. Insupportable, quoi. Franchement, moi si j'avais été prince, jamais je ne l'aurais réveillé. De toute façon, je l'aurais pas réveillé, ça c'est sûr. Blanche-Neige, remember, on s'en souvient, mon kilo, tout à fait. Salut Alan, comment vas-tu? Je vais très bien, je te remercie. Je te remercie. Écoute, comme j'expliquais au petit bout ici présent, je suis tellement heureux de vous retrouver. Vous n'avez pas idée à quel point. Hier, je n'ai pas pu streamer comme d'habitude parce que, comme vous le savez, je l'ai dit à certains et certaines d'entre vous, je suis parti à Disney. Donc j'ai passé toute la journée à Disney avec des gens, mais au grand cœur, qui étaient formidables. On a fait de très belles rencontres avec Ray et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Exactement, Dagbird. Bonsoir à toi. Je suis ravi de t'accueillir. Merci à toi d'être là et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens d'écrire. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit précédemment. Les Disney sont des histoires inspirées d'autres œuvres pour la plupart. Je parlais notamment de La Petite Sirène qui était inspirée du conte d'Anderson, Blanche-Neige, bien évidemment. Disney trouve aussi beaucoup d'inspiration dans les contes des frères Grimm qui sont des contes très sombres où généralement l'histoire n'a rien à voir avec ce que Disney nous offre à regarder. Mais en même temps, hein, faut toucher un public familial, donc on va éviter de mettre un peu d'hémoglobuline, hein, d'hémoglobine, pardon, et de sang partout. Il y a Pinocchio, il y en a tellement plein, et c'est ça qui est fascinant. Et d'ailleurs, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous connaissez cette série, ça s'appelle Once Upon a Time. C'est une série avec des acteurs tels que Lana Parrilla, d'autres acteurs comme Jennifer Morrison, Jennifer Goodwin, Josh Dallas, etc. Alors c'est très drôle parce que j'avais travaillé sur la première convention et en fait je n'avais jamais vu la série, donc c'est-à-dire que je ne connaissais aucun acteur et c'est par la suite du coup que j'ai regardé les épisodes. Franchement, c'est pas mal du tout. J'avais de très très mauvais a priori sur cette série parce que visuellement je la trouvais dégueulasse quand je voyais des extraits par-ci par-là en parlant vulgairement. Mais sincèrement, j'ai dépassé cette frontière parce que vous savez que je déteste avoir des a priori ou des frontières. J'aime aller jusqu'au bout des choses. Et du coup, bah, j'ai passé le cap. Et franchement, j'en suis pratiquement à la fin de la saison 6. Il y a 7 saisons en tout. Et disponible sur Disney+, d'ailleurs. Et on s'attache au personnage. Alors vraiment, c'est une série qui est loin d'être une série ultra développée en matière d'écriture, de scénario. Enfin, c'est pas Lost, c'est pas Buffy contre les vampires, c'est pas comparable à des séries comme ça qui ont énormément d'écriture, des personnages ultra profonds, mais c'est une série qui a ses qualités aussi, qui est attachante, avec un univers vraiment trop cool, et j'adore, franchement, j'ai vraiment kiffé ces 6 saisons, et il me tarde de continuer du coup. Hé, tu connais Dark Bird, trop cool, trop trop cool. Et bah peut-être que je t'ai rencontré dans le cadre des conventions, si t'as eu l'occasion
d'y aller. Et d'ailleurs, il y en aura tout bientôt, des prochaines, donc peut-être que je vous croiserai là-bas si vous êtes eh bien, sur les prochaines conventions Once Upon a Time qui s'appellent les Happy Endings. Donc trop trop cool. J'en suis jusqu'au début. T'en es au début de la saison 2, mon kilo. C'est cool. La saison 2, elle est top. Et bah, tu me diras ce que t'en penses par la suite. J'ai trop trop hâte d'avoir ton retour. Alan nous écrit, j'espère juste que je leur sortais pas de leur cage thoracique à cause du fait qu'ils soient trop grands, sinon ça fait mal quoi, mais grave, eh, en mode alien, hein, on adore les aliens, Ridley Scott, j'adore tout ce qu'il fait, la saga Alien, alors autant les films d'horreur, enfin je kiffe tout ce qui est horreur, vous savez que sur la chaîne on joue beaucoup aux jeux vidéo d'horreur, enfin ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais j'adore avoir peur, mais je suis une flippette et j'assume totalement. Mais pour celles et ceux qui étaient là il y a quelques mois et vous m'avez vu streamer sur des jeux d'horreur tels que Remothered ou encore Until Dawn, mais je flippe, je hurle, c'est juste un truc de fou et j'adore la sensation. Autant les jeux vidéo d'horreur, j'adore, autant les films, j'ai vraiment du mal, genre Saw, Hostel, et vous savez quand c'est gore à souhait, j'ai vraiment du mal. Par contre, quand c'est une terreur plus psychologique, je kiffe, du genre The Ring, quoi d'autre encore, il y a plein de films d'horreur comme Sans un bruit, des trucs comme ça vraiment qui est excellent. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Gaming CC, Until Dawn, il est excellent. Franchement, j'ai eu une grosse claque quand j'ai découvert ce jeu, qui met notamment en vedette Hayden Panettiere et l'acteur qui joue dans la série Monsieur Robot, dont j'ai oublié le nom. Vraiment, super bonne jeu vidéo, super bon jeu vidéo, super bonne aventure. Je vous invite à la découvrir si vous n'avez pas vu le stream avec moi. C'était mais vraiment trop cool les bouts et j'avais adoré le faire avec vous. Mais c'était génial. De toute façon, je kiffe chaque jeu que je fais avec vous, même quand c'est des jeux auxquels on n'accroche pas, on est ensemble et c'est ce qui compte au final, puisque vous savez que je suis sur Twitch, certes, pour partager ma passion du jeu vidéo qui est une vocation, mais bien évidemment, avant tout, pour rencontrer des passionnés, et j'ai beaucoup de chance parce que vous êtes là, vous êtes une communauté ultra, ultra bienveillante avec moi, vous m'apportez beaucoup d'amour et j'ai énormément de chance de vivre ça, parce que chaque stream que je fais avec vous depuis bientôt 2 ans, c'est juste tout le temps avec le sourire jusqu'aux oreilles et ça va faire 2 ans que j'ai à chaque fois cette excitation de vous retrouver, de retrouver celles et ceux qui sont là depuis le début, celles et ceux qui arrivent sur la chaîne. À chaque fois, c'est que du bonheur et je vous remercierai jamais assez pour ça. Merci à vous tous. J'ai pas eu la possibilité d'y aller, nous écrit Darkbird. Je les ai tous vus et je les ai en DVD. Trop cool, Dark! Tu les as fait les autres jeux, Man of Medan et Little Hope? Alors, franchement, en toute transparence, mon loulou, je vais être honnête avec toi, j'avais hâte d'y jouer. Je trouvais que le concept Dark Pictures était excellent. Petite piqûre de rappel, Dark Pictures, c'est un projet qui veut mettre en avant des épisodes de jeux d'horreur avec une espèce d'intrigue différente pour chaque épisode. Et c'est par les créateurs de Until Dawn. Par contre, je ne retrouve absolument pas la même magie et le même engouement que j'ai eu pour Until Dawn dans ces jeux-là. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait Man of Medan, je l'avais fait en live pendant 8 heures, et j'avais kiffé. Quand ça s'est terminé, j'avais kiffé. Et après, vous savez, quand les jours s'écoulent, tu prends un peu plus de distance sur ce que tu fais. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi quand vous regardez un film, une série. Sur le coup, vous aimez bien, puis après, vous réfléchissez, vous dites « Ah, mais en fait, il y a ça et ça ». Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit que le jeu manquait cruellement de dynamisme. Il manquait cruellement de... comment dit-on de... Ouais, il y avait quelque chose au niveau du gameplay qui me dérangeait aussi. Je n'ai pas assez de recul pour vous le dire. Mais en fait, je sais pas, j'ai vite déchanté. Puis, il y a maintenant 4 mois, j'ai fait avec vous en live Little Hope, que j'avais hâte de découvrir, puisqu'en fait, l'histoire me plaisait un peu plus. Ça se passait avec des sorcières et tout. Et très sincèrement, autant j'ai kiffé le faire en live, autant j'étais à fond dans l'histoire, on a passé de super moments, autant la fin, elle a bousillé tout le jeu. Je ne spoilerai pas pour celles et ceux qui n'ont pas fait Little Hope, mais sincèrement, on en rigole encore aujourd'hui avec des membres de notre communauté. Coucou mon Dio. mais la fin, what the fuck? Genre la fin de Little Hope, mais je me suis dit, what? Mais c'est quoi? J'ai l'impression d'être pris pour un gros pigeon. Hein, mais on adore les pigeons, mais quand même. Coucou Manimlin, comment vas-tu? Trop content de te voir là, encore merci pour la petite game de DBD tout à l'heure. J'étais trop content de pouvoir jouer avec toi, ça me fait trop plaisir de te voir ma princesse Nîmes. Oui, puisque Nîmes incarne la princesse du royaume d'Odebou sur Mythopia.
Je suis pareil que toi, nous écrit Darkbird. J'ai du mal avec les films, mais je kiffe les jeux d'horreur. Eh bah, tu vois, comme je le répète souvent sur cette chaîne, mon Darkbird, il n'y a pas de rencontre au hasard. Toutes les personnes que je rencontre, ça devient des personnes avec qui on échange énormément, avec qui on a beaucoup de goûts en commun. Donc, je suis trop content que tu sois là, en tout cas. Merci à toi d'avoir rejoint le Nid, c'est que du kiff. Et les jeux d'horreur, j'adore ça, hein. Les jeux vidéo d'horreur, je kiffe tellement. Et je te jure, ça me manque de pas avoir joué à un jeu d'horreur depuis un bail. Le dernier que j'ai pu faire sur la chaîne, c'était quoi? Il me semble que si je ne te dis pas de bêtises, le dernier jeu d'horreur que j'ai fait, c'était Remothered. J'ai fait Resident Evil 4. J'ai fait le 2, Resident Evil 2 Remake, qui est génial. Franchement, c'est. De toute façon, Resident Evil, la saga Resident Evil, c'est l'une de mes sagas préférées. Je la surkiffe. Et bien évidemment, Silent Hill, qui est mais, totalement différent de Resident Evil, mais qui est tout aussi resplendissant. C'est vraiment mais, quelque chose de tellement beau, Silent Hill, au niveau de la mise en scène, de la musique. Écouter les OST des différents Silent Hill, notamment le 2, c'est juste incroyable. On a des personnages, des histoires où il y a vraiment une torture psychologique. Alors que Resident Evil, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais est plus dans le côté kitsch, dans le côté série B, du moins pour la première trilogie. D'ailleurs, c'est les créateurs, hein, Capcom, qui a revendiqué ce côté-là, justement, hein, kitsch, pastiche de films d'horreur américains, tout ça, tout ça. Et on adore Resident Evil, c'est excellent, j'ai adoré les remakes, j'ai fait tous les Resident Evil, excepté le 7 et le 8, ce qu'il faut absolument que je découvre, et peut-être qu'on le ferait en live, ensemble, si ça vous dit, pourquoi pas, je dépasserai, comment dit-on, ma réticence pour les FPS, j'ai un peu du mal, mais pourquoi pas, je serais ravi de découvrir avec ça, avec vous, ce jeu, pardonnez-moi. Il n'y avait pas assez de QTE, je suis assez d'accord avec toi, Gaming Sissi. Il n'y avait pas assez de QTE, donc du coup, tu étais un petit peu en mode waouh, c'est lent, il y a une forme de latence. Je veux bien qu'un jeu soit, comment dit-on, cinématographique, interactif. J'adore ça. Je suis bouleversé par des Detroit Become Human, je suis bouleversé par des Heavy Rain, des jeux comme ça qui sont magnifiques, des Fahrenheit, bref. Et c'est vrai que j'ai trouvé que du coup, il y avait un dosage qui me plaisait pas moi personnellement. Après. Je suis un passionné des jeux vidéo, je suis pas un développeur, voilà, je sais que c'est un travail énorme de développer un jeu et je ne critiquerai jamais le travail de ces passionnés qui créent des jeux vidéo, mais c'est vrai que moi j'ai pas accroché avec Man of Medan et Little Hope. Mais j'ai apprécié le moment quand même. Bruit de pigeon, magnanime, je l'ai imité exprès pour toi. Je devrais le mettre dans les points de chaîne, ça, faire le pigeon. Qu'en penses-tu, Manime? Quand est-ce qu'on te voit sur un jeu d'horreur super flippant, genre Infliction, Infliction? Je jouerai un jeu d'horreur très prochainement, Manime. J'ai envie d'avoir peur avec vous. J'ai envie de me cacher sous la couette et d'hurler à la lune. Quand j'aurai insonorisé mes murs, bien évidemment. Quand est-ce qu'on te voit? Et oui, il y a plein de jeux d'horreur qui me donnent envie. Mais là, prochainement, petit programme de notre chaîne Twitch. En fait, comme vous le savez, hein, en ce moment, je stream à fond sur Monster Hunter Rise et sur Mythopia. Voilà, c'est les deux jeux qui sont en cours pour le moment. Je pense qu'on va bientôt terminer Mythopia. Peut-être ce soir, d'ailleurs. Peut-être qu'on va le terminer ce soir, je ne sais pas. Et le jeu qui va remplacer Mythopia, ça sera Monster Hunter Story 2. Qui va sortir très prochainement, je crois que c'est début juillet si je ne dis pas de bêtises, donc on y est presque, yes! Et j'ai testé la démo, j'ai archi kiffé, donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir avec vous, donc c'est un jeu qui est beaucoup plus chill, en mode JRPG, et effectivement les jeux d'horreur ça sera pour bientôt, bientôt, bientôt. Je crois que je suis allé jusqu'au bout de tous les jeux d'horreur qu'on a pu faire en stream, excepté un qui s'appelle Remothered, qui m'a été conseillé par l'un des membres de notre communauté, et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas allé jusqu'au bout. Parce que je me suis fait littéralement caca dessus en plein live. Mais genre, j'avais une peur. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. Ce jeu, il m'a trauma. Et du coup, à un moment donné, t'es dans une phase où la lumière s'éteint. Et t'as quand même le psychopathe qui te poursuit dans la maison dans le noir pour te bouffer. Et genre, t'es comme ça, sans arme de défense. Et je peux t'assurer que je me suis retrouvé dans une position où j'étais en live. J'étais en train de transpirer comme jamais. J'étais en train de prendre ma douche en direct. Genre, je pleurais des yeux, je pleurais du front. J'étais pas bien, mais littéralement pas bien. Et je me dis, ok, ce jeu sera uniquement un test. Je ne continuerai pas la suite en stream, c'est pas possible.
Franchement, j'ai trop flippé, c'était drôle hein, après coup, hein, mais sur le moment, franchement, tu ris, mais c'est nerveux. Hein. Un autre jeu que j'ai adoré faire aussi et que j'ai découvert 15 ans plus tard, c'est Resident Evil 4. Mais génial, grosse claque. Tu as déjà fait Monster Hunter Story 1? Nous demande Darkbird. Jamais, je n'ai jamais fait Monster Hunter Story 1. Est-ce que toi tu l'as fait, Darkbird? Et si c'est le cas, est-ce que tu me le conseilles? Il me semble qu'il est sorti sur console portable, si je ne dis pas de bêtises. À quand les Five Nights at Freddy's? Eh bah tu sais quoi mon kilo? En plus de ça, on me l'a offert. C'est mon Fifi qui me l'a offert et je n'y ai jamais joué pour le moment. Donc ça viendra peut-être un jour avec grand grand plaisir. C'est vrai qu'en ce moment, je suis plus jeu en mode solo pour le moment. Il me semble que Five Nights at Freddy's, tu peux y jouer à plusieurs si je ne dis pas de bêtises. Après, je ne connais pas forcément le jeu. Et donc ouais, les jeux d'horreur, c'est la base. J'adore ça, moi, les jeux vidéo d'horreur. Et je suis trop content de voir que vous aimez aussi. Il y en a un que je vous conseille vivement. C'est du rétro gaming. Ça s'appelle Hunting Ground. Il est sorti, mais genre, il y a des années, je crois que ça a plus de 15 ans le jeu, si ce n'est pas plus. Et en fait, on incarne une jeune femme du nom de Fiona qui se retrouve enfermée puisqu'elle a été kidnappée par une mystérieuse personne et elle se retrouve enfermée dans un immense château où elle est poursuivie par différents personnages qui souhaitent littéralement arracher l'énergie qu'elle a en elle, donc la bouffer quoi. Et en fait, vous n'avez aucune arme en jeu. C'est un digne héritier de la saga, la franchise Clock Tower, où votre seule arme, c'est vous cacher. Donc vous pouvez vous cacher sous les lits, dans les placards, vous pouvez aussi dans les coins de porte. Bref, ce jeu est excellent. Je l'ai terminé, mais genre 3-4 fois, tellement que j'adorais. Et pourtant, il fait grave flipper aussi, hein. Hey, coucou Aki! Comment ça va Aki? Je suis trop content de te voir. Merci, merci à toi d'être là. Ça fait trop trop plaisir. Comment ça va toi? Et remachachou, mi corazón, que tal? Estoy feliz de verte. Hey, quand Charest est là, j'ai envie de parler espagnol. La langue de l'amour. La lenguaje maravillosa del amor. Si, quiero hablar castellano porque Charest. Te amo. Te quiero. Te amo, c'est italien. Je vais très bien, je vais très bien, Aki. Merci, merci beaucoup. Écoute, hier j'étais à Disney. Regarde, regarde, je me suis acheté des pins. Oh, regarde, il y a plein de petites sirènes partout. Oui, je suis désolé, hein. C'est mon côté princesse, j'assume. Je suis une vraie princesse. Moi, c'est aussi les tortures porn. C'est des choses auxquelles j'ai du mal, mais je te comprends totalement, Alan. Ça me fait penser à des films comme Hostel. Qui me donne vraiment beaucoup beaucoup de dégoût parce que c'est vraiment de la violence pour de la violence. Autant t'as des films violents et gore, je pense notamment à La Colline à des yeux, mais autant ce film je l'ai kiffé même s'il était très gore parce qu'il y avait quand même derrière quelque chose d'assez percutant. Mais par contre ouais, quand c'est que de la violence pour de la violence, je peux pas. Par exemple bah mon chéri Ray, il est à fond sur la saga Saw. J'ai vu les deux premiers que j'ai trouvé très bien. Par contre, à partir du troisième, je peux plus quoi. Et puis après, les autres, ça me donne pas envie parce que je suis en mode, c'est pas possible quoi. Je suis pas là pour souffrir. Je suis pas là pour voir des gens en train de mourir quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. En plus de façon dégueulasse. Quelle idée d'avoir un piège à ours sur la gueule. À un moment donné, laisse ces gens tranquilles quoi. Ils t'ont rien demandé. Et s'ils ont pas envie de vivre, les embête pas à leur mettre des pièges d'ours. C'est quoi ce délire de Jigsaw là? Il faut se faire soigner monsieur. Hein. C'est pas bien ça. Cette attitude. Non non, mais dis donc. Moi, j'apprécie pas Jigsaw, hein. Franchement, autant il est classe, mais autant son comportement, il est un peu limite. Hein. Ça me donne envie d'appeler la police. Moi, c'est aussi le torture porn, le fait que je sois passif durant un film, j'ai l'impression de tout subir. Ah bah moi, j'adore. Pardon, j'allais faire une blague vaseuse. Excusez-moi. Oui, je comprends totalement, Alan, ce que tu es en train de décrire. Je comprends totalement. T'as une espèce de forme d'impuissance. Et c'est déstabilisant. Je comprends. Il y a comme une perte de contrôle, un peu, quand tu regardes un film d'horreur gore. Après, il y a des films d'horreur que je kiffe. Je pense notamment à The Ring, la version asiate et la version américaine, qui est excellente aussi. Je pense à The Grudge. Vous voyez, tous ces films-là d'horreur, je les kiffe. Après, il y a des screams. C'est violent, mais c'est pas un saut non plus, quoi. J'adore les screams. Il y a une série d'horreur que j'adore qui s'appelle American Horror Story. Je pense que vous connaissez peut-être. Génial aussi. Bref, voilà, j'aime pas avoir des, comment dire, des a priori. Je tente. Voilà, j'aime découvrir. Mais après, je connais mes limites, quoi. Au lieu que si tu mets ça dans un jeu vidéo, dans Dead Space, le fait qu'il y ait un côté actif et qu'on te donne les moyens de te défendre, eh ben, tu supportes beaucoup mieux. Je comprends ton analyse, Alan, et je trouve ça très intéressant en matière d'analyse de ce que tu es en train d'écrire.
En fait, c'est vrai que ce que j'aime dans les jeux vidéo d'horreur, c'est l'immersion. C'est le fait que tu as la manette ou le clavier entre les mains et du coup, tu as la sensation d'être acteur de ce que tu es en train de vivre. Et il y a vraiment ce côté survie, ce côté immersif que je retrouve pas forcément dans les films. Parce que dans les films, t'es spectateur. Enfin, moi, je suis un enfant, quoi. Quand je regarde un film d'horreur, genre, je me bouche les oreilles pour pas flipper, quoi. Vous voyez, j'en suis à ce stade-là. J'en suis à ce stade-là. Trop mignon, nous écrit Aki. Oui, sur 3DS, je l'ai bien aimé, je te dis ça, car je pense que le 2 est la suite. Donc, il y aura sans doute des références au premier. Personnellement, je te le conseille, mais après, à toi de voir si tu préfères faire le 2 avant le 1. Eh bien, écoute, Darkbird, merci beaucoup pour tes conseils. Alors, j'ai fait la démo. J'ai fait la démo de Monster Hunter Story 2. Et écoute, en 4 heures de démo, tu n'as aucune référence au 1. Donc, je pense que ce sont deux opus autonomes. Donc, tu peux très bien faire le 2 sans avoir fait le 1. Après, effectivement, ça m'intéresse beaucoup de découvrir Monster Hunter 1. Et si vous êtes intéressé d'ailleurs, sachez que la démo de Monster Hunter Story 2 est disponible sur le Nintendo eShop gratuitement. Et pour les joueurs de Monster Hunter Rise, vous allez obtenir un cadeau, le collier de l'amitié, pour avoir joué à la démo, qui va vous permettre de chevaucher plus facilement les monstres sur Monster Hunter Rise et vous permettre de soigner également vos coéquipiers lorsque vous utilisez eh bien une potion ou un tout autre objet voué à faire du bien, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, dans So, il y a un gars, il s'est fait mixer! Oh non! Tu sais que Aki, je ne sais pas si tu es comme moi, mais lorsque on me dit des choses, j'ai les images mentales, tout de suite! Genre, images mentales, je te jure sur ma vie. Dès qu'on me dit un truc, dès qu'on me raconte une anecdote, je me représente visuellement la chose. Donc là, dès que tu m'as parlé de mec dans un mixeur, j'ai tout de suite vu le mec dans cette espèce de thermomix là et se faire mais bousiller la kikounette. Et je t'avouerai que c'est dégueulasse. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire des films où des gens se font mixer? Ray m'a expliqué aussi qu'à un moment donné, t'avais une meuf voilà, qui tombait dans plein de piqûres là. Ah, mais c'est dégueu! Scream est sur une histoire vraie. Ah, Darkbird. Écoute, alors moi, je n'avais pas entendu cela. J'avais entendu cela. Je me suis pris pour Émile Zola. Je n'avais pas entendu cela. Je n'avais pas entendu ça, Darkbird. Je commence à parler chelou. C'est pas possible ça. Moi, j'avais entendu que Wes Craven, le créateur de Scream, a voulu faire en fait une parodie des films d'horreur. Et c'est comme ça qu'il a inventé Scream. Alors, peut-être qu'après, quelqu'un s'est inspiré du film Scream pour faire ça en vrai et ça fait peur. Malheureusement, il y a des gens pas très très équilibrés hein, dans ce monde. Hein. On peut, voilà, c'est difficile. Mais je n'avais pas entendu cette version des choses. Peut-être alors, peut-être. Oui, c'est dégueulasse ce genre de film. Mais oui, à qui? Hein? Après, moi je respecte les gens qui kiffent. Hein. Chacun ses kiffs. Hein. Moi j'adore les films de fantastique, de science-fiction. Genre je kiffe Le Seigneur des Anneaux. J'adore Matrix. En ce moment je suis à fond sur Matrix. Je suis en train de me regarder tous les films en boucle, à faire des analyses et tout. Bref, puis Keanu Reeves, tu le laisses pas dormir dans la baignoire. C'est pas possible qu'il ait 30 ou 70 ans. C'est impossible. Coucou Hugo, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir, mon Youyou. Est-ce que t'as passé un bon début de semaine? Hé, Julien! Trop content, toi aussi, tu m'as manqué, mon Ju. Trop content de te voir, merci. Merci d'être là, mon Ju. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, toi et moi. J'espère que tu vas bien, petit Breton. J'espère que tout se passe bien pour toi. Écoute, les vacances que j'ai passées auprès de ma chachou, ici présente, ma modératrice d'amour, c'était juste génial. Hé, ma Lilith! Oh là 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 là! Oh, coïncidence! On ne sait pas. Le hasard d'aujourd'hui n'est que le destin de demain, ma Lilith. Nous parlons de gens un petit peu psychopathes. Voilà, psychopapapapates. Ces gens qui aiment la torture visuelle. Ma Lilith, j'ai une question à te poser. Il me semble qu'on en a déjà parlé tous les deux. Je parlais des films d'horreur gore et je disais avec mes petits hiboux que très sincèrement, autant je n'avais aucune frontière, autant quand il s'agissait de regarder un film gore, j'avais les dents qui grinçaient à donf parce que c'est juste ultra violent visuellement pour moi. Et pourtant, voilà, j'adore les films d'horreur, mais quand c'est gore, j'ai vraiment du mal. Je pense notamment à des films comme Hostel, des films, vous savez, comme
Miss Domar, je ne sais pas si ça vous parle, c'est par le réalisateur d'un autre film dans la même veine où c'est ultra violent, où tu vois des crânes exploser, des gens qui souffrent et tout. Bref, ces films-là, j'ai vraiment du mal. Après, je ne fermerai jamais la porte, hein. On peut tomber sur des petits bijoux, hein. Je pense à La Colline à des yeux, qui est ultra gore, mais qui est excellent, excellent. Et en plus, c'est un Français qui l'a réalisé. Cocorico! Matrix, la seule fois que j'ai réellement compris le film, c'est un soir où j'avais abusé de salade magique. Mais je pense que les sœurs Wachowski qui ont réalisé le film, à mon avis, ont dû abuser de substances aussi. Voilà, pour créer ce film. Parce qu'il est complètement. Il est complètement fou. Il est complètement fou ce film. Il est magique, il est beau, il est remarquable. Exactement, c'est Alexandre Aja. Exactement, mon Hugo, c'est Alexandre Aja qui a réalisé La Colline à des yeux. Tout à fait. Très, 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 très bien vu, mon Hugo. Il a réalisé un remake de Piranha aussi. Tout à fait, Piranha, ouais, qui est dispo sur Prime Vidéo d'ailleurs. En parlant de films, j'ai été au cinéma aujourd'hui. Yes, Aki, ça me manque le ciné. Faut absolument que j'y retourne pour voir Cruella. Bah, c'est un membre de notre communauté, Kiloen, qui est parti le voir au cinéma et qui me l'a conseillé. Donc, très très envie de voir Cruella avec Emma Stone, qui est une actrice que j'adore. Elle a joué dans un film, mais complètement délire, qui s'appelle Super Blonde, avec Anna Faris. Vous savez, l'héroïne de Scary Movie. Je vous conseille vivement ce film Super Blonde. C'est trop trop drôle. Et en gros, Anna Faris dans ce film incarne une ancienne playmate qui va aider des jeunes femmes d'une sororité américaine à prendre confiance en elles. Donc elle va les relooker en mode bitch et l'humour est génial. Allez-y, foncez. J'attends que Cruella sorte sur Disney+. Yes, acquis! Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va être disponible sur Disney+, Cruella. Je pense qu'il va sortir quand même dans plusieurs mois, hein. Scary Movie, vraiment fond d'art comme film, mais grave. Tu te souviens, mon Youyou, la scène dans Scary Movie 2 quand le mec fait microbe avec sa main là? J'ai adoré. Mais c'est tellement drôle, Scary Movie. Ou aussi la prof de sport. La prof de sport qui fait en mode Sharon Stone, Basic Instinct. Et tu vois ces grosses testicules qui tombent sur la chaise. Et je m'en souviens encore du boom des testicules sur la chaise. Mais c'est magique. C'est à mourir de rire, les Scary Movies. C'est vraiment un humour pipi caca que j'adore. Vraiment, c'est génial. Scary Movie, c'est la base. Après, il y en a eu beaucoup. La suite, c'est un peu chelou. Mais le 1, le 2, le 3, c'est génial. C'est génial. Du coup, je n'ose plus aller dans les toilettes depuis que j'ai vu Scary Movie 2, vu ce qui arrive à l'un des personnages. Je vous laisse découvrir. Notre Lilith d'amour écrit sur le chat. Écoute, j'irai pas dire que je raffole des films gore, ça me dérange pas d'en regarder, mais pas tous les soirs, tu m'étonnes. Après, il n'y a qu'un film que je n'avais pas pu finir. Frontière! Oh là là, Frontière, qui est d'ailleurs un film français, si je ne dis pas de bêtises. C'est un film français, Frontière, et qui est avec. Ah, oh, comment elle s'appelle, cette actrice française qui était ancienne mannequin et qui faisait les pubs Nixa là? Estelle Lefébure, je crois qu'elle a joué dans ce film. Et il me semble que si je dis pas de conneries, il y avait aussi Élodie Boucher, mais je dis peut-être des conneries, hein. Et il y a aussi un film avec Béatrice Dalle qui s'appelle À l'intérieur, où genre Béatrice Dalle, c'est une psychopathe qui veut éventrer une femme enceinte. Bref, voilà quoi. Si tu veux passer une bonne soirée, évite de regarder ce genre de film. Moi, je te le dis. J'ai regardé le Demon Slayer, le train de l'infini. Oh, pas mal, Aki. Pas mal, pas mal. Il y a certains membres de notre commu qui est parti voir au ciné Demon Slayer. J'ai eu deux avis différents. J'ai eu deux avis différents. L'une d'entre elles avait adoré le film et l'autre avait détesté. Sur Créla, sur Disney+, en France, c'est dans 3 ans. Ah ouais, franchement, on a le temps de, voilà quoi, d'avoir quelques rides. Étant donné les lois françaises, vu que le film est sorti au cinéma, il sera disponible dans 3 ans sur Disney+, avec l'abonnement, bien évidemment. Merci Alan, en tout cas, pour l'info. La loi dont je parle s'appelle la chronologie des médias, et c'est un peu déprimant. Mais non, moi, Alan, on va pas se déprimer pour une loi. On attendra 3 ans. Qu'est-ce que c'est, 3 ans? Hein? Tu as vu comme les années passent vite? Dans 3 ans, on sera encore plus rayonnant, et on regardera ensemble Cruella. Je te le promets. Je sais plus quand est sorti Scream, écrit Dark Bird. C'est un tueur nommé l'éventreur de Gainesville, qui, comme dans le film, a tué des étudiants sur un laps de temps de 3 jours au mois d'août 1990. Je pense que tu confonds avec Scary Movie, qui est une parodie humoristique. Alors, Dark Bird, merci beaucoup pour l'info concernant eh bien, l'éventreur de Gainesville. Je ne connaissais absolument pas cette histoire autour de ce psychopathe. Donc, peut-être que Wes Craven s'est inspiré de ce tueur avec le Ghostface, mais je peux t'assurer à 100%. Scream, c'est un de mes films de chevet que vraiment Wes Craven a créé Scream dans l'optique de faire un pastiche
des films d'horreur. D'ailleurs, c'est ce qui est retranscrit avec la séquence de Drew Barrymore, où quand elle fait les pop-corn, etc., avec la jeune femme sans défense, c'était vraiment eh bien, ce qu'il a dit dans le cadre de ses interviews, sa vision des choses de faire un pastiche. Et après, effectivement, Scary Movie a fait une parodie de Scream. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On sera meilleur dans le temps, comme le vin exactement, et comme le bon fromage qui pue. Voilà, parce qu'on adore le fromage qui pue. Moi, le gore, ça me fait rien, mais alors je déteste sursauter. Les streamers, t'as marqué? Tu voulais dire les screamers, peut-être. Les trucs de fantômes, les meufs avec les grands cheveux noirs et les trucs avec les miroirs, trop peur. Ah, mon Julien, t'es trop mignon. Bah, écoute, je te comprends. C'est vrai que tout ce qui est jumpscare, c'est juste le truc, mais genre, qui est pour moi la quintessence de la peur. Quand tu t'attends pas à quelque chose et que d'un coup, pam, tu sursautes comme ça fait mais vraiment flipper. Je me rappelle, j'avais vu un film, bah ça, j'adore le livre de Stephen King et j'avais adoré aussi le téléfilm à l'époque. Et là, ils ont fait les deux parties qui ont été donc les remakes et qui sont excellentes. Mais genre le clown là qui apparaît qui te fait sursauter comme ça, what? Je kiffe. C'est comme un grand 8 en fait. Genre t'as trop peur de monter dans le grand 8. Et une fois que t'es dedans, t'en redemandes. C'est exactement ça pour moi un film d'horreur. C'est que t'as trop peur de le regarder, et une fois que tu le regardes, t'as une espèce d'adrénaline en toi, et c'est juste excellent. Moi aussi, David, j'adore le remake de ça. Je trouve que l'acteur principal qui incarne le clown, il est exceptionnel. Franchement, il envoie du lourd. Son interprétation, mais elle me donne des frissons. Et sincèrement, le 1, tu sais que c'est l'un des seuls films d'horreur qui me fait éprouver énormément d'émotions. C'est-à-dire que j'ai peur, je pleure aussi de joie, j'ai beaucoup d'amour pour les personnages, et c'est juste un truc de fou, quoi. Dark Bird nous écrit, je préfère les œuvres de Stephen King aux films. Eh ben, écoute, je peux te comprendre, Dark Bird. C'est vrai que Stephen King, il a écrit énormément de romans qui sont excellents. Moi, j'en adore, j'adore. Bah, mon roman préféré de lui, c'est Carrie. Carrie, et j'adore d'ailleurs le film de Brian De Palma, Carrie au bal du diable, qui est un de mes films préférés. Et c'est vrai qu'il a écrit énormément de livres, vous savez, où vous avez cette espèce de dégoût qui vous serre aux tripes quand vous tournez les pages. Moi, je me rappelle ça, quand je l'ai lu, j'étais mais en PLS. J'étais littéralement en PLS. Parce qu'en fait, dans ces livres, des fois, tu as une espèce d'injustice. C'est-à-dire que les gens qui sont martyrisés meurent. Et alors que t'as envie qu'ils survivent, tu vois. Et c'est juste un truc de fou. Je les ai presque tous, c'est mon écrivain préféré. Et ben, un autre point commun, mon Dark Bird. Alors, figure-toi que moi, je suis loin d'avoir tous les livres de Stephen King parce qu'il en a écrit énormément. Mais j'adore, c'est l'un de mes auteurs préférés. Et d'ailleurs, c'est très bien que tu me parles de ça, Dark Bird. Puisque hier, pour vous raconter ma vie, les petits bouts, j'ai fêté mon anniversaire de rencontre avec mon chéri. Et il m'a archi gâté. Il m'a offert deux tomes de Lovecraft. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Lovecraft. Moi, j'ai très très envie de lire ses créations parce que je le connais sans le connaître en fait. J'ai lu quelques nouvelles de lui, comme L'Appel de Cthulhu, etc. Mais pas plus. Et donc, il m'a offert les Montagnes Hallucinées tome 1 et les Montagnes Hallucinées tome 2. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces livres-là. Ils sont magnifiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont reliés en cuir. Donc, regardez-moi ça. Je vais vous montrer un exemple avec celui qui hantait les ténèbres de Lovecraft. En gros, il les a fait en manga et c'est relié en cuir comme ça. Et dedans, tu as carrément mais des magnifiques dessins. En gros, c'est des mangas. Voilà, c'est les histoires de Lovecraft qui ont été faites en manga. Je crois que c'est 15 euros, entre 15 et 17 euros le bouquin. Il y en a plein que j'ai pas encore ouvert. Bah, regardez, là, on a L'Appel de Cthulhu qui est un grand classique et je vais pouvoir. Et les illustrations sont top à qui. Je te jure, je te mettrai des photos en détail sur notre Discord. Regarde-moi ça comme c'est magnifique, c'est super beau. Et en fait, j'ai vraiment envie de m'enrichir de Lovecraft parce que c'est vrai que ça fait partie de ces auteurs qu'on n'arrête pas de parler, qui ont influencé énormément d'œuvres dans la culture pop. Et en fait, je connais pas du tout son travail. Donc du coup, bah, je vais lire tout ça. Sachant que je mets à peu près 15 ans pour lire un livre, je pense que ça... Ouais, bon, allez, j'en ai jusqu'en 2062, à peu près, quelque chose comme ça. Ça va être du lourd, mais en tout cas, je suis en train de me faire une belle collection, donc je suis trop content. Et si vous êtes intéressé, je vous ferai des reviews sur notre Discord concernant ces mangas de Lovecraft qui sont de toute beauté, en plus d'être des livres
qui risquent d'être sublimes. Ils sont super beaux aussi visuellement. Donc ça sera une belle collection du coup. Et je suis trop content de les avoir. Exactement, Julien. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ils savent comment faire pour nous faire sursauter, hein. Ce qui est génial, c'est que les scénaristes, c'est aussi un public, c'est des gens qui ont vraiment conscience des émotions et ils jouent sur ça. Et c'est vrai que les films d'horreur ont un pouvoir que d'autres films n'ont pas forcément. C'est que ils arrivent à jouer sur l'inquiétante étrangeté, sur, vous savez, ces craintes qu'on a enfouies en nous, qu'on avait peut-être énormément étant enfant, et avec l'âge qu'on a appris à maîtriser, et parfois on en fait abstraction de ces peurs-là. Mais vous savez, cette peur du noir, cette peur du croque-mitaine sous le lit, ces craintes qu'on avait étant gamin, où on se cachait sous la couette parce qu'on n'avait qu'une peur, c'est d'être dévoré, ou alors si vous étiez comme moi, vous regardez dans les trous de toilette pour voir s'il n'y avait pas un monstre qui allait vous attraper par votre anus, hein, et vous faire un gros prolapse des familles. Voilà, toutes ces choses-là. Et bah, on les a enfouis en étant fouis, en étant adulte. Mais c'est toujours là, au fond de nous. On a toujours cette crainte, vous voyez, du fantôme, tout ça, quoi. Mais ils arrivent à jouer avec ça, au final. Et c'est ça qui est génial. Moi, j'ai une culture épouvante horreur plutôt pauvre. Et bah, écoute, mon Hugo, sincèrement, chacun ses domaines de prédilection. Hein, et puis, tu peux, à tout âge, développer ta culture en matière d'épouvante et horreur. Hein. C'est possible. Hein. À part la série Saw. Ah, tu aimes bien les Saw alors, Youyou? Mais bon, Saw, c'était bien au début. Après, c'est juste de la boucherie gratuite. Et bah, tu vois, c'est exactement ça dont on parlait en début de live. Je disais justement au Hibou d'Amour que bah, c'est ça que j'aimais pas dans les films d'horreur. C'est quand c'était de la boucherie gratuite. Vous savez, par exemple, il y a des réalisateurs comme Tarantino, dont le cinéma est vachement basé sur la violence, mais c'est une violence, si je puis m'exprimer très maladroitement, qui a du sens, parce que la violence n'a jamais de sens. Mais on va dire que la violence qu'il utilise, c'est un esthétisme qui dessert l'histoire. Alors que dans certains films d'horreur, c'est juste de la violence pour de la violence, et du coup, bah, t'en vois pas l'utilité en fait. Et c'est, voilà, à part te faire voir des tripes et te dégoûter, voilà quoi. Oui, et puis maintenant ils savent comment faire pour nous faire sursauter, car quand on connaît les mécaniques d'un film d'horreur, on sait à peu près quand on va sursauter. C'est exactement ça, je viens. Du coup, quand ils arrivent à nous surprendre, là, ils font très fort. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, les illustrations, j'aime trop. Moi, ça, j'ai récemment terminé le premier tome de Poche et commencé le second. Trop bien, Alan. Et tu as kiffé alors? Je trouve ça toujours compliqué à lire. Ah, mince! Et la prochaine fois, quitte à prendre 30 ans pour lire un livre, je prendrai les livres de Poupoule et Tony. Eh, bien, Alan, bien, bien, bien. Faut que je me mette sérieusement à la lecture, moi. À qui tu prends tout le temps pour te mettre à la lecture? À qui? Sincèrement, faut pas se forcer parce que je pense que c'est en se faisant violence qu'on se dégoûte. Moi-même, j'adore lire, sauf que je mets 107 ans à lire. Par exemple, j'adore les Harry Potter, j'ai mis 107 ans à les lire. Pareil, je suis plus comics en fait que livre, mais effectivement, quand il y a un livre qui me saisit, bah, je le dévore. En ce moment, je suis sur les mangas Sailor Moon et c'est juste un plaisir de découvrir cette franchise, quoi. Oh, ma Lilith, t'as 7 livres qui t'attendent, courage! Eh, 7 chiffres magiques, ma Lilith, tu vois. Je suis persuadé que tu vas pouvoir tout dévorer. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu lis en ce moment, Lilith? Enfin, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu souhaites lire, justement? Re Gaming Sissi, comment vas-tu? Lilith, le caca du Loch Ness, le nouveau monstre des toilettes. Non, mais t'imagines? Un espèce de monstre, on n'a jamais vu ça, un monstre lié au caca. Ça pourrait être super drôle d'inventer un psychopathe comme ça qui se nourrit de ce genre de choses, qui vient des toilettes comme ça. Je sais qu'il y a un film d'horreur asiatique sur des zombies où en fait les zombies sortent de leur anus. Et je vous jure, je vous jure, ça existe. Je ne sais plus le titre de ce film. C'est Charès, ma Charès qui m'avait envoyé le trailer et c'est juste incroyable. Tu vois vraiment les zombies sortir de leurs fesses et c'est complètement, mais c'est même pas de la série B, c'est même pas de la série Z, c'est de la série Oméga le truc, c'est pas possible. Je vous partagerai le trailer sur le Discord, mais franchement, âme sensible, il faut vous abstenir. Vraiment. 28 jours plus tard de Danny Boyle, j'adore ce film, 28 jours. De 28 jours plus tard, il est incroyable. Je ne sais pas si vous le connaissez, les petits bouts, mais ce que Hugo a mentionné comme film, il est top. Je vous le conseille vivement. Si vous aimez les films post-apocalyptiques qui sont super bien mis en scène, qui ont un scénario qui vous serre les tripes, regardez 28 jours plus tard et vous avez la suite 28 semaines plus tard avec Robert Carlyle, il me semble, qui est génial aussi.
un peu en dessous du premier, mais franchement trop trop bien. Bah, en soi, So, c'est l'histoire de méchantes personnes qui meurent. Ben oui, c'est ça, et qui, hein, t'as tout à fait raison, puisque si j'ai bien compris le synopsis, pardon, c'est Jigsaw qui veut vraiment faire prendre conscience aux gens la valeur de la vie, et c'est pour ça qu'il les met dans des situations aussi horribles, pour qu'ils puissent se dépasser et montrer à quel point ils souhaitent vivre. Bon, c'est tordu quand même, hein, on va pas lui dire bah, bravo et merci, parce que c'est quand même un peu what the fuck qu'il nous fait Jigsaw, hein. Les films d'horreur, j'en ai vu qu'un 5, je sais pas, c'était Gremlins, mais c'est pas un film d'horreur, Gremlins, mon kilo! Et les fantômes de Quinterville, je l'ai jamais vu ça. Ok? J'ai jamais vu ça, les fantômes. J'ai jamais vu ce film-là que tu mentionnes. Et sinon, l'œuvre de Lovecraft a été réunie en quatre formats nommés Cthulhu, le mythe par Barghelonne. Oh, cool ça! Cool, il faudrait que je regarde ça de plus près alors. Je vais commencer les mangas Dr. Stone. Bien, Gaming City, je ne connais absolument pas. Sincèrement, si tu veux en parler sur le Discord, j'en serais ravi parce que je découvre énormément de choses grâce à vous. Il y a notamment ma Didi d'amour, un membre de notre communauté qui m'a fait découvrir The Promised Neverland, que j'adore. Je les lis en manga. Bon, là, je suis un peu en pause, mais c'est génial. Et franchement, trop bien quoi. Oui, bien un film avec des fétichistes des pieds, mais ça serait trop bien. Bon, pas besoin de films d'horreur pour des fétichistes des pieds, hein. Il y a Pornhub. Ou encore plein de sites voilà, qui te permettent d'exprimer ton fétichisme des pieds. Hein. Il n'y a pas à avoir honte d'avoir des formes de fétichisme. Mais par contre, un film d'horreur avec un tueur qui souhaite découper des pieds, bah, je pense que t'as massacré à la tronçonneuse. Hein. C'est un peu dans le délire. Oh grave, on peut tout inventer mon Hugo. Est-ce que j'ai loupé des messages? Vous vous rendez compte mes petits bouts, ça fait genre 1 heure qu'on a commencé le stream et on est toujours en train de parler ensemble. C'est pour vous dire à quel point je kiffe. C'est trop bien quand on échange ensemble, ça fait mais un bien fou. Vous avez pas idée à quel point quoi. Du coup, est-ce que j'ai loupé des messages? Oui, bien sûr, il y a des fétichistes des pieds. Ou t'imagines des fétichistes, je sais pas moi, des trucs chelous. Parce que les pieds, ça va, c'est pas chelou encore. Qu'est-ce qu'il y a? Un fétichisme vraiment chelou. Non, en fait, il n'y a pas de fétichisme chelou. Hein. Peu importe hein, si tu es fétichiste des mains, des pieds, des tétons, je sais pas, des yeux. On accepte toute forme de fétichisme ici, tant que voilà, c'est dans le consentement mutuel, bien évidemment. Avec George Clooney avec un super brushing. On adore George Clooney. L'attaque des tomateuses. Oh mon dieu. Et t'as des films de série B, genre Sharknado aussi. Sharknado 2, Piranha 3D. Les films bien, bien chelous comme ça qui sont assez jouissifs. Les Tremors aussi qui sont des anciens films. Mon frère était sous la couverture en tremblant de peur alors qu'il est plus âgé que moi. Donc c'est un film d'horreur pour moi. Mais Grimmy, je comprends. Tu sais que quand j'étais petit, j'ai été fasciné par le film Hocus Pocus, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est un Disney d'ailleurs, avec Bette Midler, Sarah Jessica Parker, et j'ai oublié le nom de la troisième actrice, je suis navré, et j'ai adoré Hocus Pocus, en plus j'ai toujours aimé tout ce qui touchait à l'univers des sorcières, de l'ésotérisme, etc. Et bon là c'est complètement caricatural, hein. C'est vraiment les sorcières de conte avec le chapeau pointu, le nez crochu, etc. Mais qu'est-ce que c'est jouissif Hocus Pocus, regardez Hocus Pocus. Et tout ça pour te dire mon kilo, c'est qu'il me faisait archi peur quand j'étais petit, mais j'adorais le regarder tout de même. J'ai toujours eu un petit côté sadomaso. Alors c'était assez ésotérique, j'ai les deux bouquins, les dossiers Warren, ok, deux livres écrits par des médiums. J'ai lu aussi un livre de médium qui racontait l'histoire d'une médium qui a perdu son fils et qui est rentrée en communion avec lui. C'est bouleversant. Rupture, tarot et confiture. J'adore ce titre. Deux livres écrits par Allan Kardec sur les esprits, les médiums et aussi, c'est pas vraiment un bouquin à lire page par page, mais les gardiennes de la lune qui expliquent les effets de la lune sur chaque signe astro. Mais pff, non, mais Lilith, je te dis, hein, y a pas de hasard à notre rencontre. On vibre pour les mêmes choses. C'est hallucinant. Et j'aimerais tellement te présenter un ami à moi. Et un jour, je ferai très certainement un live avec lui. J'aimerais beaucoup vous le présenter. Et on parlera de tout ça. Mais c'est juste génial. Et t'as 8 livres en fait. C'est quoi le dernier? Me dis pas que c'est 50 Shades of Grey là. Je sais pas quoi là. Ah, The Promised Neverland nous écrit à qui la faute? J'ai regardé l'animé, j'ai adoré juste la fin, un peu décevante je trouve. Eh ben écoute moi, à qui j'ai vraiment pas avancé sur The Promised Neverland parce qu'il me semble que si je ne dis pas de bêtises, il y a 17 et 18 tomes de sortie actuellement, voire plus, et j'en suis qu'au troisième. Donc autant te dire qu'il y a encore du boulot. Hein. Les fantômes de Canterville, c'est plus une comédie française dans une ambiance fantôme, c'est un véritable navet, nous écrit Julien. Fétichisme des lobes d'oreilles, mais oui!
Oh, regardez mes lobes. En plus, j'ai, je crois, des lobes énormes. Regardez-moi ça. Ils sont énormes, mes lobes d'oreilles. Hein, vous kiffez les petits bouts? Oh, je me caresse les lobes là. Alors, massacre à la tronçonneuse, écrit Alan. Leatherface tue des gens au marteau car la tronçonneuse, en réalité, elle tue une personne avec une tronçonneuse, en plus il était handicapé. Bah écoute, tu m'apprends beaucoup de choses, Alan, j'ignorais totalement ça. Un film assez rigolo, Black Sheep, mais des moutons revenants, j'ai adoré Black Sheep. Et en matière de films d'horreur, ma Lilith, humoristique, parce que oui, ça existe, j'adore Shaun of the Dead, c'est l'un des films que je pourrais regarder encore et encore. Il est génial, Shaun of the Dead, vraiment il est génial. Il est pas fait pour être drôle, mais il l'est. Mais oui, parce qu'à mon avis, ça doit être tellement. Enfin, c'est tellement what the fuck. Et je sais pas si. Oh mon dieu, c'est un film que j'avais adoré. Comment il s'appelait ce film-là? Où la grand-mère a perdu son oreille dans sa tasse à café. Oh, comment il s'appelait ce film? Oh mon dieu, j'ai perdu le titre, mais j'adorais ce film. C'est pas Rabbit Granny. Oh, bon, je demanderai à Charès parce qu'on l'avait vu ensemble. Et t'as plein de films comme ça qui sont censés être des films d'horreur, mais c'est tellement too much que ça te fait rire en fait. T'as jamais vu Hocus Pocus? Mais je connais quand même le titre. Ah, I put a spell on you. Magnifique chanson, je la mettrai sur Discord dans tes musiques. Ah mais grave, et les films de vampires alors? J'adore Twilight. Non mais sans déconner, autant je reconnais que la suite des Twilight, c'est complètement genre en mode toilette, littéralement. Mais autant, j'ai archi kiffé le premier Twilight. Je vous l'avoue sans honte, mais vraiment, sans honte, sans aucune once de honte, enfin un petit peu. Je suis même allé au Grand Rex pour voir l'avant-première, j'étais entouré d'une salle remplie d'œstrogènes en ébullition, ça sentait les hormones, voilà, au niveau de la transpiration. Mais ouais, j'avais bien aimé le premier Twilight qui était réalisé par Catherine Hardwicke, qui est donc la réalisatrice de 13, un film sur deux adolescentes qui tournent mal, et en fait c'était une ancienne décoratrice. Cette réalisatrice-là. Et c'est vrai que les décors dans Twilight 1 sont vraiment très beaux. Après, je reconnais, j'avoue que c'est un peu mes films de la honte, mais j'aime bien les autres. Mais je reconnais que c'est de la merde. Mais c'est de la merde que j'adore regarder. Tu as des lobes à Écarteur, Nottingham. On m'a dit la même chose avec mes fesses. Non, je déconne. Écoute, ma Lilith, c'est la première fois qu'on me dit que j'ai des lobes à Écarteur. Je t'avouerai que ça me touche tout particulièrement. Quel film tu cherches, mon Nottingham? Machachou, tu te souviens? C'est un film de zombies où t'as une grand-mère qui se fait mordre par un singe et du coup elle se transforme en zombie et à un moment donné, elle perd son oreille dans sa tasse de thé devant tous ses convives et après t'as une femme enceinte qui se transforme en zombie et qui accouche donc d'un bébé zombie. Tu te souviens ou pas de ce film-là? Oui, c'est complètement what the fuck. Non, c'est pas le anus zombie, mon kilo. C'en est un autre. Salut Madoka, comment vas-tu? Comment ça va, toi? On est en train de parler depuis 1 heure. On n'a pas encore commencé notre stream sur Mytopia. Comme vous le savez, sur cette chaîne, j'adore échanger avec vous avant chaque stream. Et donc, on a parlé de Disney, on a parlé de séries, et là, on parle de films d'horreur maintenant. Twilight, à lire, c'est cool. Elle a une super plume, Stephenie Meyer. Par contre, faut passer le côté cucu. Ah, mais complètement. Ah, c'est ultra cucu, Twilight. Hein, mais complètement. Et c'est ça qui m'a plu, justement, puisque je suis quelqu'un de très cucu. Ah, t'as fini le comics Lock and Key? C'est trop cool, Alan! Yes. J'en connais un qui va repasser à Saint-Michel et qui va se prendre plein d'autres comics. Je me trompe, Alan? Personnellement, un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie, c'était Nanny McPhee. Ah, ça me dit quelque chose. Hey, mais je connais de nom Nanny McPhee. C'est un film des années 90, ça. Avec celle qui a son gros nez et qui est une sorcière. C'est bien ça, à qui? Je crois que j'ai vu que des extraits, mais j'ai jamais vu entièrement. Dans la même veine, j'aime bien Mathilda. Vous savez, la petite fille qui a une super force. Brain Dead. Bravo. Bravo, Charrette. Et Nim, tu connais Brain Dead? Ce film, je l'avais vu à l'époque sur MCM avec Charès. Mais j'étais tout petit. Le singe zombie, le prêtre, elle est nurse folle, mais oui. Non, mais je te jure, Lilith, il est complètement what the fuck. Regarde Brain Dead. Il est génial. Il est génial, Brain Dead. C'est un truc de fou. C'est un film d'horreur, mais complètement délire. Et je crois que c'est un film d'horreur anglo-saxon. Donc les Anglais, ils sont complètement bargeants au niveau de leurs films. Hein. C'est vraiment l'humour anglais complètement qu'on adore, quoi. Hein? Je n'ai pas trop aimé Twilight 1, désolé. Oh non, Mado, je ne peux pas t'excuser, c'est
inadmissible. Je déconne. Bien évidemment, tu n'as même pas à être désolé. Chacun ses goûts, Mado. Allons. Quand la fille passe devant le ventilateur avec ses cheveux. Après, j'ai aimé le dernier Twilight avec sa fille Renesmee, c'était chouette. Et ben moi, c'est l'inverse. Mado, c'est fou. J'ai bien aimé le premier Twilight. Par contre, le dernier Twilight avec le bébé 3D, j'ai trouvé ça mais dégueulasse. Genre, je n'ai pas compris pourquoi ils ont abusé des effets spéciaux comme ça. Genre, le bébé, au lieu de prendre un vrai bébé, ils ont mis une tête 3D dessus. Mais c'est dégueulasse. J'étais mort de rire. Au cinéma, je me souviendrai toujours cette séquence-là quand on voit le bébé qui fait... avec sa tête 3D, mais les gens se sont mis à rire dans la salle. Je vous jure que je vous retrouverai la capture d'écran du bébé Renesmee, je le mettrai sur Discord, c'est à mourir de rire. Mais après, j'ai apprécié tous les Twilight, hein, Mado. Branded, génial. Le meilleur Dracula, c'est le Dracula de Coppola, mais magnifique, le Dracula. Je me prends pour Rob Zombie. Le Dracula de Coppola, il est magnifique, il est magnifique. Trop bien, Mythopia, quand on n'y joue pas. Mais oui, hein, on est là pour parler aussi. Le singe rat, il m'a traumatisé, mais grave. Pour être honnête, non, j'ai déjà trop de comics à lire. Ok, hello, mon Ox. Et merci, Mado, d'avoir offert un abonnement à Billard. Merci pour ta générosité, Mado, t'es un amour. Et on embrasse très fort notre Billard, notre hibou qui vient du Brésil, que j'aime très fort. Et je t'envoie plein de bisous, ma Bia. Et merci à toi, Mado. Je t'embrasse très, très fort aussi. Merci pour ton geste qui me touche beaucoup. Oui, la sorcière. Et en plus, elle a réussi sa mission et ça l'embellit. Oh, c'est beau. Moi aussi, j'aimerais réussir ma mission. Branded, j'aurais dit espagnol. Probable. Wow, merci. Oh, ma Bia, tu es là! Ma Bia, tu es là! Trop content de te voir, ma Bia d'amour! Bienvenue, bienvenue à la maison, ma Bia, tu m'as manqué. Sinon, j'ai rien d'avance pour le backstory de mon passage sur D&D, Donjons et Dragons. Courage, Alan, courage. Dracula, c'est une chanson de Rob Zombie. J'adore Rob Zombie. Ma chanson préférée de Rob Zombie, il y en a beaucoup, mais celle qui sort vraiment du lot pour moi, c'est Living Dead Girl. Je vais essayer de vous la trouver. Machachou, si tu es là, est-ce que tu peux mettre sur le chat Living Dead Girl de Rob Zombie? Je vous l'avais partagé il y a plusieurs semaines sur notre Discord dans l'onglet T-Musique, mais c'est l'un de mes morceaux préférés. Coucou, ma Bia, comment ça va? Comment ça va? Merci encore, Mado. C'est très gentil. Merci beaucoup, ça me touche. Un beau pays, le Brésil. Je trouve ce pays magnifique, même si je n'y suis jamais allé et j'aimerais beaucoup le visiter un jour. Moi, c'est la tondeuse à gazon qui m'a manqué. Oh, mon Dieu, mon Hawks. J'avais pas lu. Ah, Gonzo. Gonzo. Gonzo, ça me dit quelque chose, le Gonzo. Mais oui, mais c'est bien sûr. Le Gonzo, le gazon. Pas le Gonzo. Le Gonzo, c'est autre chose. Ne regardez pas ça, d'ailleurs. Enfin, regardez si vous voulez, mais en navigation privée. Voici. Ah, oh, super. Oui, elle est pas mal. Désolé, je parle pas trop, mais mes petits bouts. On va établir une règle sur cette chaîne Twitch. Ne soyez jamais désolé. À partir du moment où vous êtes bienveillant, où vous êtes des gens ouverts d'esprit et que vous êtes toujours dans le respect, ne soyez jamais désolé. Il n'y a aucun retard à avoir sur cette chaîne. Si vous ne parlez pas sur la chaîne, vous avez votre place ici. N'ayez aucune crainte et ne soyez jamais désolé. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez toutes et tous votre place ici. Et mon Gaming City, ne t'en fais pas pour ça. Tu seras toujours un membre de cette communauté. Même si parfois tu ne t'exprimes pas sur le chat, ce n'est absolument pas grave. Sois rassuré, mon Gaming City. Je suis heureux que tu sois là. T'inquiète, si le live te divertit, c'est le principal. Le Gorgonzola, mais bien évidemment, on parlait du Gorgonzola. Mes petits bouts, en tout cas, merci à vous d'être là. Ça me fait trop, trop plaisir. Ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble et qu'on fait cette pause. Enfin, cette pause, on n'a même pas encore débuté, en fait, le jeu. Donc, installez-vous confortablement. On va partir dans l'aventure Mythopia. Je vais vous faire un résumé des épisodes précédents sur Mythopia. On a
On a été confronté à l'avatar du mal Nouf-Nouf qui a volé le visage de tous les habitants de la ville d'à côté sur ma vie. Et du coup, notre objectif a été de restaurer tous les visages de ces habitants de cette magnifique ville du désert. On a réussi notre mission et on se retrouve donc actuellement dans cette grande pyramide qui abrite l'avatar du mal Nouf-Nouf qui n'est autre que mon chéri. Voilà, je me suis inspiré de mon chéri pour créer cet avatar. Et donc, on va partir à l'aventure avec la voix de la sorcière qui a été choisie par Madoka en mode ASMR, sommaire. Eh oui, puisque Lilith a opté pour aussi l'ASMR. Alors, c'est parti. On va débuter l'aventure Nitopia. Accrochez vos ceintures. Merci à toutes et à tous d'être là. Et pour vous remercier, je vais vous faire un bruit de bouche complètement vulgaire. Et voilà, bienvenue à tous sur Notting Game. Et ma console n'est absolument pas allumée. Voilà, on est ici à la maison. On fait les choses en mode complètement impro sur cette chaîne Twitch, Twitch. Bienvenue, mes petits bouts, bienvenue à toutes et à tous sur Notting Game. Nous allons eh bien poursuivre notre aventure sur Mythopia. Je remercie tout le monde d'être là, que vous vous exprimiez ou non sur le chat. Merci à vous de m'accorder de votre temps et de votre attention. Et on débute ce live sur la magnifique photo de notre Dio qui incarne le grand sage sur cette aventure. Il est beau, mon fils. Il est beau, il est beau. On adore. Donc c'est parti. On va pouvoir, eh bien, à nouveau être dans le royaume de la ville d'à côté. Nous allons aider le royaume de Mythopia à lutter contre ce terrible avatar du mal afin de pouvoir, eh bien, libérer le royaume et le rendre bien plus lumineux. Donc c'est parti. On va voir un petit peu où le jeu va nous mener. Sauvons Mythopia. C'est parti. Let's go! Nous nous retrouvons au cœur de la pyramide et c'est parti pour notre dernier objectif, les hiboux. Accrochez vos ceintures, qu'est-ce qui va se passer ici? J'ai peur. Nous nous retrouvons avec moi-même, où je suis devenu Noctisette avec mes longs cheveux, et nous sommes accompagnés de Alan Smithy, le scientifique, Mogwai Ben, le mage, et Razor le loup, la chatte sur un toit brûlant. Miaou! Tous les villages sont retournés au visage. Les visages au village, que dis-je? Il ne nous reste plus qu'à sauver le génie Chantal. C'est vrai qu'on l'a appelé Chantal. Nous avons pénétré, oula, calme-toi, Noctisette, très profondément dans cette pyramide. On approche du but, j'en suis sûr. Nous dit Alan, ce que tu cherches est proche. Encore cette voix? C'est la pyramide qui me chuchote des choses à l'oreille. Oh mon Dieu, pourquoi le grand cosmos ne me parle jamais à moi? L'avatar du mal est proche. Ce genre de message, en revanche, je pourrais m'en passer. Ok, l'avatar du mal approche. Ariana Biatch. Grave, j'ai la coupe d'Ariana Grande, t'as raison. C'est vrai, c'est vrai. God is a woman, bitch. Tu m'as tué, Kilo. On aime... Oh! L'avatar du mal Nouf-Nouf. Encore toi! Je croyais bien m'être débarrassé de toi et tes maudits pouvoirs, grosse bitch. Tu aimes être puni, on dirait. C'est vrai. Oula. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? On dirait que je suis possédé par un shaitan. Pitoyable cloporte. Oh, masques antiques du grand pharaon, je t'invoque. Ok. Oh! Oh! Il va voir le visage du génie Chantal. Qu'est-ce que... Oui, c'est la voix du génie. Hein. Je te présente un de mes sbires les plus puissants. Tu vas regretter ta témérité. L'avatar du mal Nouf-Nouf a fui vers l'est. Ok. Oh putain, on a Aki qui écrit « Bonne chance pour ce combat avec un XD ». Ça me rassure pas. Oh, Pharaon Chantal. Oh, la tête de vainqueur. La tête, j'adore. Pharaon Chantal. T'as la tête comme ça.
Allez, ajoutage de griffes, tour de Bénou. C'est parti, mon Bénou, je compte sur toi pour enflammer Chantal. Bug informatique de la part de Alan Smithy. Oh my god, oh my god, Miché. Vilain coup de fourche sur Chantal. C'est parti, vilain coup de fourche et hop, 25 points de dégâts, c'est pas mal. Par contre, j'ai un petit peu peur. Le sort du pharaon. Mon dieu, il a transformé Alan en pharaon. Attention, Alan. C'est une blague. C'est quoi ce dégât là? Mais c'est quoi ce dégât? Il faut que je le mette à l'abri tout de suite. Ok, Bénou a pris une banane PV. C'est très bien, je vous rappelle que la banane PV va permettre de restaurer ses points de vie. Non, j'ai pas besoin de le mettre à l'abri pour le moment, ça va. Franchement, pour le moment, ça va. Imhotep, voilà, ça va. T'as vu le coup de menton? Franchement, Lilith, je l'ai senti passer. Franchement, et c'était à sec. Vraiment, ça m'a fait mal. Pharaon Chantal, c'est l'heure du duel. Let's go. Nyark, 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 nyark. On t'explose, c'est parti. Hop. Ouf, 33 points de dégâts. Je suis un pharaon. Acceptez ceci, majesté. Non, ça va pas le soigner. Putain, ça l'a soigné. Alan, qu'est-ce que tu fais, mon fils? Apaise ton cœur, Chantal. Chantal, on croit en toi. Oui, Alan, tu es un pharaon. Je vais te mettre à l'abri, comme ça, tu ne seras plus d'aucune utilité pour lui. Et je vais restaurer des points de vie à mon très cher Bénou, qui est en PLS. Et c'est parti. Allez, mes aïeux, on y va, on attaque. Je fais ma technique vilain coup de fourche. Et je ne sais pas comment détransformer Alan. Comment Alan peut à nouveau redevenir lui-même? Wow, 23 plus 12. Alan, je t'en supplie. Oui, le sort est levé. Trop bien. Génial. Merci à qui pour l'astuce? Merci beaucoup. Allez, en mode rain on me. Ariana, on t'aime. Ouf. Qu'est-ce qui... Oh mon dieu. Non, Loulou. Vite, on va mettre Loulou à l'abri. C'est parti. Attention, Ben. Ah, fuck. Ok, on va mettre tout de suite Loulou à l'abri. On va soigner tout de suite mon Bénou qui n'est pas bien du tout. Il faut absolument qu'on lui redonne ses points de vie. Et on attaque tout de suite. Ok, ma Loulou, parfait, tu es de retour. Génial, je vais te demander, Loulou, s'il te plaît, de revenir sur le terrain. Et s'il te plaît, aide-nous, Loulou. Merci pour le bug informatique, je suis avec toi, Alan Smithy. Bug informatique puissant, oui, on a fait pas mal de dégâts et ça c'est vraiment très très cool. Je vais faire un vilain coup de fourche sur Chantal. Chantal qui est quand même à la moitié de ses points de vie. Donc on avance doucement mais sûrement. Coup du pharaon. Oh mon dieu, ok, quelqu'un est à terre. Ben est à terre. On va tout de suite faire renaître de ses cendres notre mage de feu. Ben, tu vas revenir s'il te plaît. J'ai besoin, on a besoin de toi, Ben. Je vais redonner des PV à moi-même. Et je vais mettre Alan Smithy dans l'abri, puisqu'il n'a plus beaucoup de PV, le temps qu'il puisse restaurer tout ça. Et je vais pouvoir monter sur Fanduza, notre très chère monture, notre magnifique licorne. C'est parti, pam. Oui, j'ai pas de healer, Gaming CC. J'en avais un autrefois. Et là, je n'en ai plus sur cette partie. Donc, du coup, il va vraiment falloir que je joue avec les potions, et, enfin, les salières de vie. Et, l'abri, ça va être très très chaud. Allez, Alan, tu vas me remplacer pendant que je me retransforme en grosse bitch. Allez, oui, nouvelle technique de la part de Ben. Sommeil réparateur, ça va soigner les PV, très certainement, de Razor Loulou. Merci pour elle. Bug informatique, Alan, tu peux le faire. 32 points de PV et je redeviens moi-même une grosse bitch. Je suis très content et je vais pouvoir donc tout de suite mettre Alan dans l'abri afin qu'il ne décède pas. Et tu vas reposer dans l'arrière-garde. Ok, Ben est bel et bien mort et je ne pourrai pas le faire revivre malheureusement. C'était la dernière des der. La der des der, c'est terminé pour Ben.
Nous ne sommes que très peu afin de pouvoir buter Chantal. J'espère que tout va bien se passer. Le combat va être très très serré, les hiboux. Est-ce que nous allons réussir? Je ne sais pas. Je l'ignore totalement. Loulou s'est transformé en pharaon. Aïe, 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 aïe. Loulou, tu vas vite, s'il te plaît, retourner dans l'abri. Je vais utiliser tout de suite une salière PV sur Alan. Il faut que je l'utilise avec parcimonie. Faut surtout pas que je meure, moi. Ok, génial. Allez, c'est parti. On avance. Allez, on peut la buter. On peut la buter. Loulou, reviens. Merci à toi. Tac, on a besoin de toi, Loulou, s'il te plaît. Merci. Allez, on peut le faire. Je crois en nous, les hiboux. Finduiza, merci pour ton aide. Je vais pouvoir te chevaucher et faire donc davantage de dégâts à Chantal, la grosse bitch. C'est parti. Tiens, Chantal, mange-toi ça dans tes dents. Comme dirait Madoka, ça doit coûter cher chez le dentiste. Je suis tout à fait d'accord. Allez, oh là là, Alan. Ouh là là, Alan, ça pue. Là, franchement, Alan, ça pue vraiment. Tu n'as presque plus de points de vie. Donc, il va vraiment falloir que je te mette dans l'abri. Je vais utiliser la salière PV sur Loulou, qui est vraiment en mauvais point. Et la salière PV et HS. Mon Dieu, c'est soit Chantal, soit nous. Oh, putain. Ok. Ok, on peut le faire, on peut le faire. Il va vraiment falloir qu'on attaque avec toute notre énergie, s'il vous plaît. Aidez-moi à attaquer. Oui, 25 points de PV. Alan, je t'en supplie, restaure tes PV tout de suite. Ok, je suis transformé en pharaon. Et aïe, 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 aïe. Il faut que je mange une banane tout de suite. Du coup, moi, je me mets dans l'abri. Hop. Je vais demander à mes camarades de prendre des bananes, s'il vous plaît, si possible. Bon rétablissement, merci beaucoup, Alan. Merci, je reviens du coup. Bravo, Alan, tu as mangé la banane, c'est exactement ce qu'il fallait. Loulou, je vais te mettre dans l'abri tout de suite. Et moi, je vais essayer de manger... Oh mon Dieu, 9 points de PV. Alan, regarde ailleurs. Alan, attention, esquive, je t'en supplie. Oh, Alan n'a pas esquivé. Bon, Loulou revient. Alan, bug informatique. 33 points de dégâts. On y est presque, on y est presque. Je vais me prendre tout de suite une banane PV. On adore manger les bananes. C'est plein de potassium. Et ça nous entraîne. Oh, Alan s'est transformé en pharaon. Donc tout de suite, on va le mettre à l'abri avant qu'il fasse des bêtises. Hop, moi je vais remanger tout de suite une banane. Menu. Je peux pas faire en cas. Razor Loulou, mange ta banane, tu as tout à fait raison. C'est très bien, Razor Loulou. Oui, Alan, tu es de retour. Ok, Alan, tu vas me remplacer, s'il te plaît. Hop, je prends ton tour. Allez-y, j'ai confiance en vous, Loulou et Alan. Allez, s'il vous plaît, mettez-lui la misère. Mettez-lui la misère. Merci, Loulou. Oh, Loulou, merci, 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 tu as très bien fait. Je vais pouvoir revenir. Allez, on peut le faire. On peut le faire. Oh mon Dieu. Non, sur moi. Pourquoi? Pourquoi tu l'as fait sur moi? Ah là 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 là. Ah, ça va être serré là. Ça va être très très serré. Mangez des bananes. Mangez des bananes, la team. Ok, Alan est mort. On ne peut plus rien faire. Loulou, achève-le. Oh putain. Ça va être très chaud là. Franchement... Ça va être très très chaud comme combat. Je ne sais pas si on va réussir, mais il ne faut jamais s'avouer vaincu. Et cette défaite ne sera pas un échec. Oh putain. Oh putain, c'est serré. Pharaon Chantal, je te kill. On a réussi. Oh mon Dieu, on a tué Chantal. Oh mon Dieu, on a tué Chantal. C'était tellement serré comme combat, mes petits hiboux. J'avais l'impression d'être devant un match de foot. Alors que je regarde jamais le foot. Mais j'avais l'impression d'être devant un match de foot. Merci, merci pour vos GG. Merci pour vos bravos. Chantal is dead. Fatality, fight. Merci, merci mes hiboux. Mais c'est grâce à vous. J'avais tellement envie. J'avais pas envie de vous décevoir. Donc du coup, j'étais à fond dedans. Et c'est grâce à vous que j'ai réussi à vaincre Chantal en mode pharaon, en mode Yu-Gi-Oh. Merci à vous. Victoire! Oh mon Dieu, c'était tellement chaud ce combat. J'en ai encore les palpitations.
Ok, points d'expérience bonus. Eh bien, écoutez, les points d'expérience bonus seront cadeaux pour ma gueule. Yu-Gi-Oh! Noctis a gagné un niveau. Technique aspiration de vie. On adore tout ce qui aspire. Aspire l'énergie vitale d'un ennemi pour l'ajouter à ses propres PV. Je suis un vampire. J'adore ça. Cadeau, la pharao soupe. Ok. Super, allez, une auberge. On a besoin d'une auberge là. On veut une auberge, s'il vous plaît. On veut une auberge. On a besoin de se revitaliser la foufoune là. Oh, un appareil photo. C'est votre jour de chance. Je suis Click, photo reporter. Voulez-vous acheter cette photo que je viens de prendre, s'il vous plaît? Obtenir cette photo pour 20 pièces. Je suis enfin... oui. D'accord. Un plaisir de faire affaire avec vous. Ok. Merci à toi, Click. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Mais qu'est-ce que Click est foutait dans cette pyramide? Le gars, il s'est perdu, quoi. Un attrape-touriste, je vous le dis, les petits bouts, un attrape-touriste. Ok, on vient de regagner nos PV et nos PM. Il est temps de manger. Je pense qu'on en a bien besoin. C'est la pause auberge, mes petits bouts. La pharao soupe retire délicatement le cobra pour déguster cette soupe prestigieuse. Elle augmente les points de maîtrise et la défense. Je vais donner ça à quelqu'un qui a besoin de défense et qui n'a pas une défense élevée, c'est-à-dire Alan Smithy. C'est pour toi, Alan Smithy, et tu n'aimes pas du tout cette soupe, mais ça t'a quand même augmenté tes caractéristiques. Je vous rappelle, mes petits bouts, que sur Mythopia, la nourriture permet d'augmenter les caractéristiques de nos personnages, qui sont divisés comme suit, les points de vie, les points de maîtrise, l'attaque, la magie, la défense, et pour terminer, la vitesse. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable que de faire, prendre des repas auprès de vos petits mis d'amour. Donner de l'argent. Donc apparemment, Alan veut une nouvelle tenue qui augmente de 2 points, c'est tout? Non, pour le moment. On va acheter une banane pour mon Bénou. Allez, c'est parti. Achète-toi une petite banane. J'espère que vous allez bien sur le chat. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne. Je suis trop heureux de streamer avec vous. Vous m'avez énormément manqué. C'est un truc de fou. Et d'être à vos côtés, ça me ressource. J'espère que vous allez bien en tout cas. Fais une pause chat. Ça vaut le coup, mon kilo écrit. Qu'est-ce qui s'est passé sur le chat? Mon taux de possession a explosé. On me demande toujours pas mon consentement. Mais non, mon Alan, tu as pu augmenter et tu as pu bien évidemment regagner ton état d'esprit, et c'est ça qu'on adore, justement. On adore tout ça. Pourquoi Loulou dort dans les tables? Et bien parce que ma Loulou adore les juments. Je veux renforcer les liens entre la licorne et le loup. Et en fait, sur Mythopia, lorsque tu mets deux mis ensemble dans une même pièce, c'est là où tu renforces leurs liens. Du coup, je vais acheter une banane et bien à ma Loulou. C'est pour toi, ma Loulou d'amour. D'ailleurs, ma Razor Loulou, je t'embrasse de tout mon cœur. Si tu es là ce soir, je te fais plein de gros bisous, ma Loulou d'amour. Je viens de t'acheter une grosse banane pleine de potassium. Super. Et je vais également m'acheter une grosse banane des Bermudes. C'est parti. On adore les bananes. Merci beaucoup. Je suis ravi de montrer fièrement ma grosse banane. Elle est si juteuse. Merci. Merci infiniment. On va faire une petite sortie pour renforcer... les relations entre nos personnages. Donc j'ai pour ma part 6 avec Loulou, 6 avec Ben, 7 avec Alan, 13 avec la jument. Ok, la jument n'a aucun lien avec Ben, donc je vais mettre Ben dans l'écurie. Loulou, elle a moins de liens avec Ben, la jument et Alan. Donc là en l'occurrence je vais la mettre avec Alan. Super, donc comme ça, ça me paraît plutôt cool. Je vais donc faire sortir en bord de mer Alan et Loulou. C'est parti! Au fait, je suis allé en vacances à Étretat. Oh, Mado, j'aimerais beaucoup aller à Étretat. Il me semble que c'est au-dessus du Havre, si je ne dis pas de bêtises. Un hôtel spécial détective. Je peux mettre les photos sur le Discord, mais bien évidemment, Mado, avec grand plaisir. Tu sais que j'adore les photos de voyage, donc n'hésite absolument pas à partager avec nous ton voyage sur le Discord. Tu sais dans quel onglet les mettre, hein, dans tes voyages. Et je serai ravi de pouvoir regarder tout ça. Merci à toi, en tout cas. Et je peux mettre les photos, donc oui, et du coup, tu as aimé ces vacances? Ok, donc Loulou est en train de trouver un trésor sur la plage, on adore. Qu'est-ce que tu as trouvé, Loulou? C'est écrit, je vous ai bien eu.
Ce jeu est complètement what the fuck, hein. Relation renforcée, yes. On a réussi à relancer les liens. On a relancé les liens entre eh bien Alan et Loulou, et maintenant ils peuvent faire l'attaque coup de main. Donc c'est une action en duo qui permet d'augmenter les effets d'une action du partenaire en venant à son aide. Et ça, ce n'est absolument pas négligeable. Madoka nous écrit sur notre chat, ça n'a duré que 2 jours mon week-end à être tas, mais j'ai adoré. Eh bien écoute, tu sais, même si on coupe pendant 2 jours de notre quotidien, je trouve ça mais vraiment incroyable, et c'est juste trop le kiff de pouvoir couper avec le rythme du quotidien et de s'accorder 2 jours comme ça en week-end. Tu as très très bien fait et je suis super content et j'ai hâte d'avoir ton retour sur le Discord. Maintenant, je pense que je peux renforcer les liens entre moi et... non, moi ça va en fait. Moi ça va... c'est peut-être entre Benou et Loulou qu'il faut renforcer les liens. Ça serait bien de leur faire une petite sortie au karaoké, tiens. Allez, exprimez-vous, chantez. Comme dirait Michel Berger, je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, mais qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Et je pense aussi à toi, l'âme. Je t'aime, l'âme. Tu as bercé mon enfance avec la Rousseau. Tu oublieras. Ok, en mode karaoké, chantez l'hibou. Je serai ton présent au destin. Ça n'a duré que 2 jours. Les coups de main, je veux bien, mais je veux que l'on m'écoute dans mes revendications, parce que quand il y en a marre, il y en a marre. Balance ta possession. Et oui, balançons notre possession, tu as raison. Ah là là, je redoute fortement la journée de demain, j'ai rendez-vous chez l'orthodontiste, aïe, Aki, qui va probablement me mettre un appareil pour mes dents du bas et va ressourcer celui du haut. Alors Aki, je vais te rassurer tout de suite et je vais même prendre le temps de faire une micro-pause de quelques secondes, parce que sache que ma meilleure amie a exactement fait la même chose que toi, Aki. Elle a fait cette intervention-là, aujourd'hui, elle en est très heureuse et ce n'est absolument pas douloureux. Donc sois rassuré, Aki. Tout va bien se passer. Je comprends totalement ton appréhension pour demain. Je sais que ce n'est pas une partie de plaisir que d'aller chez le dentiste, mais je suis sûr que tout va bien se passer et je peux te le garantir puisque j'ai ma meilleure amie qui a subi la même intervention que toi. Elle, en l'occurrence, elle a fait ça, eh bien, écoute, à ses 30 ans et elle en est très satisfaite aujourd'hui. Donc, sois rassurée, Aki, tout va bien se passer. La messe étant dite, on retourne sur le jeu. Ok, il y a une bonne entente entre Benou et Loulou, ça tombe bien puisqu'ils sont en couple dans la vraie vie, donc tant qu'à faire, autant avoir une bonne entente. Qu'en pensez-vous? Parce que si tu t'entends pas bien avec ton ou ta partenaire, c'est pas cool. C'est pas cool. Hein? Petit conseil du soir, soyez en couple avec quelqu'un que vous appréciez. Louange, couvre le partenaire de compliments. Je savais que tu pouvais le faire. Moi, j'ai beaucoup souffert quand il m'avait mis mon appareil pour mes dents du haut. Je n'ai jamais porté d'appareil dentaire, donc je ne pourrais pas te dire. Je ne peux que compatir et ressentir ce que tu as ressenti, Aki. Je pense que oui, effectivement, ça doit faire très très mal. Hein. Ça doit faire très mal. Courage, tout va bien se passer. C'est pour la bonne cause, Aki. C'est pour la bonne cause. Et c'est ce qu'il faut que tu puisses te dire. Eh bien, c'est parti, mes petits hiboux. Je vais retourner au sein de cette pyramide. On a libéré Chantal et on va pouvoir retourner dans la ville, le village d'à côté même, afin de voir eh bien, ce qui va se passer. Mystère et boule de geisha. On va voir ce qui va se passer maintenant qu'on a libéré Chantal. On a libéré tous les visages de la ville d'à côté. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se produire. Hey, salut Dana, salut! Dans la vallée, wow, wow, de Dana, dalilalala. Chantal, Chantal, tu es là. On a réussi les bouts, on l'a fait. Chantal récupère son visage. Oh, j'adore sa gueule. Paye tes dents. Wow, votre génie préféré est d'y retour. Vous m'avez sauvé la face, espèce d'Ikudas. Oh, ce n'est rien. Quelle honte d'y voler les visages des honnêtes gens comme ça.
Sita va tarder mal nouf nouf, et il est vraiment pas digne d'y confiance. On est loin d'Idarty, les contrats de confiance, c'est pas ça ici. Mais en toute honnêteté, Nadinomo, Xubi, j'ai beaucoup réfléchi au mal que je vous ai fait à tous. Et je t'y jure que, voilà, je sais que ça fait d'y perdre quelque chose qui nous est cher. Mais... c'est décidé. Je n'y volerai plus. C'est terminé les conneries. Je jure de ne plus jamais m'écarter du droit chemin. C'est terminé. Voilà, c'est terminé. Je te jure sur la vie des oiseaux. Eh bien, bonne chance. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je fais un sourire condescendant et je lui fais « Bonne chance, à bientôt !» Merci, noble voyageur. Merci, mille merci à vous tous. Vous avez retrouvé tous les visages de la ville d'à côté. Le génie Chantal est parmi nous. Ok ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On a retrouvé tous les visages, qu'est-ce qu'on doit faire ? Apparemment, je dois aller à l'est. Par là ? Ok, on va voir ce qui va se passer de ce côté. Hein ? Des rochers barrent le passage. Je vais m'en charger. Poussez-vous, les bandits connas. C'est parti. J'en ai pour une seule seconde. Voilà, une seconde. Oh. Mais dis-donc, c'est pas mal. Bravo. Le génie Chantal a dégagé le passage. Donc Chantal est une grosse bitch au grand cœur. Et j'aime énormément ça. Voilà, vous pouvez continuer votre route. Merci Chantal. Merci infiniment. On dit merci qui ? On dit merci Chantal. Et bah c'est parti, on va continuer donc notre chemin vers l'Est. Je vous rappelle que c'est notre objectif de ce soir, c'est de découvrir le royaume de l'Est, qui sera très certainement le dernier royaume de Mythopia. Effectivement, il me semble qu'il y en a uniquement que 3. Et c'est déjà beaucoup. Je vous rappelle qu'on est à notre 8ème live sur Mythopia, ou le 7ème, je sais plus. Quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que le jeu est assez, assez conséquent, et sincèrement si vous êtes intéressé par ce jeu, n'hésitez pas une seule seconde, je ne peux que vous le conseiller. Je n'ai pas encore joué avec les amis, je n'y joue qu'en solo, mais c'est vrai que l'intérêt est d'y jouer à plusieurs. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a des ennemis. Darkbird nous écrit sur le chat, les appareils dentaires c'est plus désagréable que douloureux. On les ressent quand on les resserre, mais c'est que quelques minutes. Tu as l'impression d'avoir les dents un peu paralysées. Ah ouais? Mais comme je l'ai dit plus haut, c'est que pour quelques minutes. J'ai eu un appareil dentaire complet étant enfant. Mais tu sais, je pense que mieux vaut avoir ça étant qu'enfant, même si c'est difficile. Comme ça, après, une fois que t'es jeune adulte, tu es tranquille. Je sais que dans certains pays, notamment le Brésil, il me semble, ils ont des appareils dentaires jusque tard. C'est assez fréquent chez les Brésiliens, si je ne dis pas de bêtises, d'avoir un appareil dentaire quand t'es adulte. Je suis d'accord avec toi et pour ma part, ça a été encore plus désagréable, nous écrit Aki. Oh, dis donc. C'est vrai que ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal. En plus de complexer certains individus. Bug informatique. Bien joué, Alan. Tu l'as one shot et ça, c'est vraiment cool. Allez, je vais faire une attaque renaclement. Technique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, je vais faire avec le cheval, moi. Je veux montrer sur fin du ZA. Allez, on va essayer de les one-shot. On croise les doigts. One-shot, 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 one-shot. On a one-shot qu'un seul. Il nous reste plus que... Bitch! J'adore mon cri de guerre qui est bitch. Yes, yes, on l'a eu. Bravo, vous ne passerez pas. S'écrit Benou et c'est trop cool. On a réussi à buter ses ennemis. J'ai hâte de voir ce qui nous attend. Allez, on avance, vite, 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 j'ai trop hâte. Trop, trop hâte de voir la suite. Let's go. Et Aki, t'as perdu beaucoup de poids, du coup, avec l'appareil. Tu pouvais plus manger, c'est ça? On a deux plantes dévoreuses. Elles sont trop mignonnes. On dirait des Roselia. Vous savez, le Pokémon Roserad, même. Ou des Chitiflore, plutôt. Avec sa grosse bouche. Tiens, mange-toi ça. Oui, bien joué, Alan. Tu les as tuées toutes les deux. Bravo, Alan Spicy. Franchement, j'ai une équipe de choc et de charme. Vivement le prochain combat. Je suis totalement d'accord. On avance. Allez-y, les gars.
infâme pour manger. En plus de cela, j'avais pas beaucoup de dents, donc c'était galère. Putain, mon Aki, c'est un mauvais souvenir. Je suis de tout cœur avec toi, et ça a dû être très difficile ce que t'as vécu. C'est vraiment des situations qui sont très compliquées, tout ça. Et si aujourd'hui, ça va te permettre d'avancer, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est important de regarder derrière soi, mais c'est aussi important de regarder où on va, et il faut vraiment que maintenant t'ailles de l'avant, et que tout ce que t'as vécu avant qui était difficile, c'est ce qui t'a permis aujourd'hui d'être ce que tu es, et c'est ça qui compte en fait. Et c'est ce que je me répète moi chaque jour en fait. On va pouvoir avancer après ce petit dialogue des familles. On adore les petits dialogues sur Mythopia qui sont complètement barrés. On va trouver une auberge déjà. Tu sais qu'il y a un acteur à qui joue dans Stranger Things qui fait le rôle de... Oh, je sais plus comment il s'appelle. En fait, il a une maladie génétique qui fait qu'il a des problèmes avec sa mâchoire et ses dents. J'ai oublié son nom. Et il est génial cet acteur là. Et justement il parlait de sa pathologie en expliquant que c'était très compliqué pour lui que de se nourrir, etc. quoi. Comment ça va mon Gaming City? Trop content de te revoir. Cher Noctis, une carte de trésor dans les coffres trésor. Pensez-vous, prego. Juste ces bouts de papier, ma que culo. Faites en ce que vous voulez. Je m'en fiche et je vais manger la pizza. Marco. Oh, 3 tickets sortis. Merci Marco. C'est vraiment très cool. Notre petit explorateur italien nous a passé ses tickets de sortie. La relation est renforcée entre Alan Smithy et notre ami Licorne. Ça, c'est trop cool. Le contact est établi. On va les laisser encore tous les deux afin que le contact, que la relation soit un peu plus forte qu'un niveau 3. Ça peut toujours être utile en combat. Donc on va les laisser comme ça au niveau du dispositif. On va pouvoir maintenant donner à manger à notre équipe qui a très faim. Je vais bien mon Sissi d'amour, je vais très bien. Merci à toi, trop content d'être avec vous. Ça fait même pas 2 heures qu'on est ensemble et je suis mais trop heureux d'être à vos côtés. Vous me donnez tout le temps une énergie folle et je vous remercierai jamais assez d'être là, de me soutenir comme vous le faites. C'est un bonheur. Et merci, merci du fond du cœur. Et tu vois, on va donner un jus de cactus à quelqu'un qui a besoin de PM. En l'occurrence, moi, parce que j'utilise pas mal de points de maîtrise en combat. Et ça, c'est bien utile. Donc, on a plus de vivres. Désolé pour les copains qui n'ont pas pu manger. Est-ce qu'on peut s'acheter? Ok, on a tous envie de bananes. Bon, bah écoute, c'est parti. Hein. C'est parti. Direction Grand Frais. On va pouvoir s'acheter des grosses bananes. On adore. Bon, on a 12 en stock. Je crois qu'on va arrêter là. On va surtout se focaliser sur les sorties. Faut juste que je vois les relations. Donc, en l'occurrence, Benou. Benou, il a aucune relation avec la licorne. Sérieusement. Bon, on va peut-être le mettre avec la licorne, en fait. Hein. Alors, Benou, il a 6. 5 avec les loups, 5 avec l'âne. Aucune avec la licorne. Moi, j'ai 6. Moi, j'ai pas besoin de m'occuper de moi-même. Bon, bah, on va laisser comme ça. Donc, on va faire une petite sortie... Dommage que j'ai pas un ticket pour sortir avec le cheval. Non, ça va marcher? Ah, il va pas sortir avec le cheval du coup. Hey, coucou mon Gim Gim d'amour! Merci pour le petit coucou. Bon jeu à toi mon loulou. Merci, merci pour ce petit coucou qui réchauffe le cœur. Et pour tes petits messages en privé tout à l'heure qui m'ont fait vraiment plaisir. Je t'embrasse fort mon Gim Gim. Merci d'être là. On regarde un film avec Benou. J'adore la musique, écoutez. Ça me donne envie de danser. Oh, c'est enchantresque. On adore. Ça a l'air d'être triste en tout cas parce que Ben pleure. On en est encore aux bandes annonces. Je suis blasé. À la tête ce que j'ai. La tête elle est géniale. J'ai fait une capture d'écran, c'est génial. À qui? Avec grand plaisir. Je l'ai vu tes tickets de sortie. Tant que c'est pas des tickets de métro, ça me va. Intérêt naissant. Oula, intérêt naissant, ça fait un petit peu coquin tout ça, non? Bon rétablissement, rends visite au partenaire s'il est à l'abri. Bah voilà, je vous avais dit que c'était coquin. C'est cool. Bon bah très bien pour la sortie. On a eu des Banshee, des larmes de Banshee. On va faire maintenant une sortie pour Alan et Razor Loulou. C'est parti. On va augmenter eh bien leur relation. Allez! Allez voir un film, les loulous. On a besoin de vous.
Alors, vous parlez de vos expériences concernant les dentistes. Alors moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience parce qu'en fait, je suis allé que très rarement chez le dentiste, pour être honnête. Je crois que la dernière fois que j'y suis allé, c'est il y a un bail. Alors, on a une question de la part de Madoka. Les vidéos doivent faire combien de secondes max pour être téléchargeables sur Discord? Eh bien, écoute, je ne sais pas, Madoka. Je ne sais absolument pas. Je sais que certains et certaines d'entre vous ont déjà posté des vidéos sur notre Discord. Et je pense que ça dépend aussi de l'état de serveur de notre Discord. Je sais qu'il y a un système de Nitro. D'ailleurs, encore merci à qui de m'avoir offert un point Nitro. Parce que ça augmente du coup les performances de notre serveur Discord. Mais du coup, je pourrais pas répondre à ta question, Mado. Donc si jamais un hibou s'y connaît et peut répondre à cette question, ce serait cool. Un petit coucou, Maïrana d'amour. Merci en direct de mes fins de vacances. J'espère que tu passes d'excellentes fins de vacances, Maïrana. Je passe juste pour te faire un petit coucou avant d'aller au dodo. Des bisous et bon stream à toi. Oh là là, Maïrana, mais qu'est-ce que ça me fait chaud au cœur, ton petit message. Merci. Merci beaucoup, Maïrana, pour ce message. Je pense bien à toi. J'espère que tu passes de bonnes vacances. J'espère que tout se passe bien comme tu le souhaites. En tout cas, je te fais d'énormes bisous. Prends bien soin de toi, surtout. Ah yes, si t'as fait un malaise chez le dentiste, mince. Yes, on va voir le Snyder Cut de 4 heures au cinéma, c'était long, mais en vrai, j'ai aimé le Snyder Cut, mais c'est jamais sorti au cinéma. Oui, il est pas dispo au cinéma, tout à fait. En tout cas, mes petits hiboux, faites bien attention à vous, hein. Je suis de tout cœur avec vous. Merci, ma petite Tirana, encore une fois. Je t'envoie des mises du cœur d'être à mes côtés. Et on va pouvoir à manger de nouveau. Alan Smithy a faim. Donc, je vais essayer de lui donner des larmes de Banshee. Je pense qu'il aime bien. Oui, il adore même. Eh ben, c'est super. Oh, Maïrana, tu sais comment me parler droit au cœur. L'Arizona pêche, la meilleure boisson au monde. Je suis drogué à l'Arizona pêche, Maïrana. Tu le sais, hein. Tu le sais. En tout cas, c'est vraiment trop cool que tu puisses bien profiter. J'espère que tout se passe bien avec la famille, que vous profitez au grand maximum et de ce magnifique paysage. Ressource-toi, recharge les batteries, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Et tu sais que hier, je suis allé à Disney, Irana. Ça m'a fait un bien fou. C'était uniquement sur une journée, mais autant te dire que ça a été une déconnexion totale et on a adoré. On a fait plein d'attractions. J'ai pu faire mon attraction préférée, la tour de la terreur. Et franchement, c'était magique cette journée à Disney. Ok, que des bananes. Hey, Nota Blueta, comment ça va, Manota? Je suis tellement heureux de te voir, Manota. Merci, merci à toi d'être là. Bienvenue à la maison. Comment va, Nota? Écoute, oui, j'étais à Disney hier. Je suis trop content. J'étais avec Ancha. J'étais avec Anne, Ray et une amie. Un ami Sam. On a vraiment kiffé. C'était une super journée. Écoute, c'était mais magique. Tout simplement magique. On a bien profité, on a fait énormément d'attractions. En fait, dites-vous que Disney, en cette période, c'est vraiment le must, si je puis dire. Mis à part de porter le masque, ce qui est tout à fait normal, par respect pour soi et les autres, on est vraiment dans un confort total, puisqu'il y a peu de visiteurs avec la jauge qui est encore d'actualité. Et en plus de ça, vous mettez en moyenne entre 20 et 30 minutes pour faire une attraction, ce qui n'est strictement rien. Autant vous dire que généralement, c'est entre 1h30 et 2h pour une attraction pour 3 minutes de plaisir. Et c'est juste trop bien. Oui, t'as vu les photos de Ancha? Ah, les a postées, c'est trop cool. Et Nota Blueta, je te jure, si un jour tu as l'opportunité de venir nous voir, je serais mais tellement heureux qu'on puisse se voir avec Ancha et tout le monde pour se boire un petit Starbucks et se raconter toutes nos petites vies. Ce serait vraiment génial. Et peut-être un jour aller à Disney ensemble. J'en serais ravi. Figure-toi qu'on a pu faire aussi Indiana Jones, toutes les autres attractions. On a fait Nemo qui est excellente. Bref, notre petit parcours habituel et on se sent comme à la maison à Disney, hein. Et regarde Nota, regarde sur quoi j'ai succombé. Je suis faible. Attends, je vais te montrer. Je vais me mettre en mode viewer, spectateur.
Regarde, Mano Tablueta. Regardez mes petits bouts pour celles et ceux qui n'ont pas vu. Je suis désolé, hein, la mise au point n'est pas parfaite. Je ne suis pas youtubeuse beauté. Ça se voit. Mais voici le petit achat. J'ai craqué sur ce pins, la petite sirène. Voilà, quoi. Voilà, je suis faible. Encore un autre. Voilà. Donc, mais il est trop beau. Tussi, tu l'as aussi, Nota? Yes! Ah, on a les mêmes goûts, hein, toi et moi, hein, c'est un truc de fou. Ah, mais il est magnifique. Je tournais comme ça le présentoir et je suis tombé dessus. J'ai fait oh. Il me le faut absolument. Il est vraiment de toute beauté, celui-ci. Et mais les pins, en fait, c'est le genre de truc auquel tu... Enfin, tu fais pas collection de pins. Voilà, moi je fais pas de collection de pins. Mais quand tu vas à Disney, t'es obligé de faire collection des pins. C'est-à-dire que les pins viennent à toi. Et tu viens aux pins. Et donc j'ai littéralement kiffé et du coup je me suis acheté plein de pins. J'ai aussi Pua et Hey Hey de Vaiana que j'adore, mais qui ils sont trop magnifiques tous les deux. Et je kiffe, quoi. Non, mais tu as vu mes tableaux, mais grave, Manota, mais ils sont magnifiques. Et dis-moi, la petite sirène, ne serait-il pas ton Disney préféré à toi aussi? Me dis pas que c'est ton Disney préféré aussi, Nota. Je rêve d'être une sirène depuis que j'ai 5 ans. Tu peux demander aux petits hiboux qui sont là depuis la création de la chaîne. Je suis à fond sur tout ce qui touche de près ou de loin aux sirènes. C'est-à-dire que ce soit des pubs, des dessins animés, des films, des séries, dès qu'il y a une sirène dedans, j'ai le cœur qui bat fort. Et bien évidemment, la petite sirène, c'est mon Disney préféré parce que c'est celui qui m'a fait voyager quand j'étais petit. C'est celui qui m'a fait rêver. Ariel, elle est extra. Alors oui! Oui, c'est une femme ton. Oui, c'est une femme qui souhaite changer d'espèce pour conquérir le cœur d'un homme. Mais c'est remarquable, elle est courageuse, hein, et pleine d'entrain. On adore. Et puis elle sent la moule. Moi aussi, Mado, j'adore les sirènes. Bah, tu le sais très bien, hein. Ce sont des créatures mythologiques qui m'ont toujours fasciné. J'ai d'ailleurs lu le mémoire d'une ancienne, comment dit-on, maître en la matière concernant les sirènes. Elle a fait son mémoire à Paris 3, elle s'appelle Claire la Sirène, elle donne d'ailleurs des représentations à l'Aquarium de Paris, et elle a écrit tout un mémoire sur les sirènes. Il est disponible sur internet, il est remarquable. Si vous en avez l'occasion, lisez-le, il est génial. Mais oui, t'as plein de tableaux en liège avec tes pins dessus, mais complètement Manota, je vois quand je suis sur tes streams en direct ou en différé, ils sont magnifiques. D'ailleurs, mes petits bouts, Nota, c'est un cœur en or, un amour. N'hésitez pas une seule seconde à aller voir sa chaîne Twitch, parce que c'est quelqu'un qui fait des streams de qualité, qui est spécialisé sur les Sims 4. On voyage toujours à ses côtés, on passe toujours un bon moment, on est accueilli mais comme à la maison, et ça fait du bien d'être dans ce cadre-là avec des gens qui ont un cœur sur la main, et Nota en fait partie. Donc n'hésitez absolument pas à aller voir sa chaîne, j'en serais très touché et ravi. Et moi aussi, Manota, j'adore tous les personnages. Tous les personnages me font rire dans La Petite Sirène. Eureka, mais Eureka, il est exceptionnel. Il est magique. Eureka, il est, pour moi, c'est l'un des personnages les plus drôles de Disney. Le prince Eric, mais le prince Eric, c'est la base. Une beauté, cet homme-là. On a envie de le siffler quand on le voit. Franchement, moi-même, je pourrais troquer ma queue contre autre chose pour être dans les bras du prince Eric. Ça sonnait mieux dans ma tête, ce que je viens de dire. Vous m'avez compris, ma queue de sirène, bien évidemment. Je ne parlais pas de ma grosse kikounette, bien évidemment, je parlais de si j'ai, voilà, si j'avais été une sirène, hein, j'aurais troqué ma queue de poisson pour aller dans les bras d'Eric. Je comprends totalement, Ariel, je comprends. Je te comprends, Ariel, je te comprends, meuf, c'est très bien. Mais Vanessa, elle est géniale. Vanessa, elle est exceptionnelle. Elle est la version humaine d'Ursula, tout à fait. Elle est trop trop bien. Hey, mon Poki, comment ça va, mon Poki d'amour? Trop content de te voir, mon copain. Je suis vraiment heureux de te voir ce soir. Bienvenue à toi, bienvenue à la maison, Poki. J'espère que t'as passé une excellente soirée lundi soir et que le ramen a tout déchiré. Ça fait plaisir en tout cas de te voir ici. Merci pour nos tablouettas.
Madoka, c'est adorable. N'hésite absolument pas à regarder ses streams, les streams de Pokimi que tu connais déjà aussi, qui est un streamer de qualité aussi. D'ailleurs, Manota, je t'invite aussi, Pokitom, il est extraordinaire aussi, si vous en avez l'occasion. Effectivement, Ariel est incroyable, hein, c'est une mauvaise marchande. Mais on va dire qu'assez rattrapé, Alan, assez rattrapé. Tu vois, dans le délire, on m'a volé ma voix, je me suis fait un petit peu pigeonner, mais je me rattrape. Voilà, hein. Elle communique avec les yeux, on va dire. Hein. D'ailleurs, le conte de la petite sirène, c'est parce qu'Andersen était amoureux d'un jeune homme. Donc oui, la sirène est en fait un homme. C'est une très 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 belle métaphore, Madoka, très certainement de la queue, qui est... qui est... Non, mais l'info est ultra pertinente, Madoka. Et d'ailleurs, comme on en parlait précédemment, hein, au début du live, on a parlé pendant une heure de nos films préférés avec les petits hiboux. Et justement, j'expliquais que la plupart des Disney sont inspirés de contes tragiques. La petite sirène, hein, le conte d'Anderson, mais est tellement bouleversant. Cette jeune sirène qui, n'arrive pas à se faire aimer de l'homme pour qui son cœur bat et se transforme en écume de mer et s'élève, elle meurt littéralement puisqu'elle a échoué. Et c'est vrai que c'est bouleversant les contes qui sont bien plus sombres. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà écouté la K-pop? Eh bien, écoute, Aki, il y a un groupe de K-pop que j'aime beaucoup et j'adore faire ma grosse bitch dessus. Hein. N'ayons pas peur d'être vulgaire, j'adore bouger mon boule sur les Blackpink, notamment la chanson qui s'appelle « How you like that ?» How you like that, da 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 da. J'adore cette chanson. Je l'ai écoutée en boucle avec mon chéri. Je l'ai un petit peu contaminée avec cette chanson How you like that. Et c'est comme ça que j'ai connu les Blackpink. Et ensuite, j'ai écouté plein d'autres morceaux d'elles, notamment Bombaya et d'autres morceaux. Mais cependant, je suis quelqu'un qui est ouvert un peu à tout. C'est-à-dire que je n'ai pas de frontières. Je n'ai pas de frontières au niveau de la musique. C'est-à-dire que je peux être très réceptif à une mélodie. Je peux écouter du Britney Spears comme je peux écouter du métal. Genre, j'adore Rob Zombie, j'adore Britney Spears, j'adore AC/DC, j'aime beaucoup Ariana Grande, j'adore Lady Gaga. Et vraiment, je n'ai aucune frontière au niveau de la musique, même le rap. À un moment, je détestais le rap. Et puis, j'ai écouté MC Solar, et puis j'ai écouté Candy Shop de 50 Cent. Et là, je peux vous dire, les petits hiboux, que mon boule était en feu sur Candy Shop de 50 Cent avec Olivia. Les plus anciens, peut-être que vous en souvenez de ce morceau-là. C'était mes booms en cinquième. Et j'adorais danser sur Candy Shop. Je me sentais en feu. En tous les cas, effectivement, on a tellement de Disney comme ça qui nous tiennent à cœur. Et d'ailleurs, nous écrit Madoka, le conte de la petite sirène, c'est parce qu'Anderson est amoureux d'un jeune homme, effectivement. Et c'est complètement ça. Elle veut troquer sa queue contre ses jambes. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais complètement, hein, à l'époque, effectivement, Anderson devait user de plusieurs mécanismes d'écriture pour se transposer peut-être avec cette petite sirène. Il parlait de lui et de son amour très certainement pour ce jeune homme. En tout cas, c'est très très beau, Madoka. D'ailleurs, j'ai plein de trucs, la petite sirène. Attendez, je reviens dans 2 secondes, les petits bouts. Je vais vous montrer toutes mes figurines, la petite sirène. On arrive. À tout de suite, je reviens dans même pas 2 secondes. Et me revoilà, bienvenue à tous sur Noctingame. Nous sommes dans notre petite pause. Voilà, nous sommes sur Mythopia et nous parlons ensemble de choses qui nous tiennent à cœur, comme la petite sirène. Et je vais vous montrer les petites figurines vite fait. Hein, la petite sirène, Manota Bueta, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai. Alors, la dernière pièce que j'ai eue en ma possession, c'est un cadeau de mon chéri. C'est une Crystallux Ariel. Je bavais devant, littéralement, mais depuis mes...
des mois et des mois. Et donc Ray l'a trouvé complètement par hasard en boutique, puisqu'elle est de moins en moins produite. Et regardez-moi la beauté, quoi. La beauté de cette figurine de collection. Elle est vraiment mais super belle. Je craque littéralement. Et voilà, elle est dans mon salon comme ça. Et je la regarde. Et je suis mais complètement amoureux de cette figurine. Ah, trop content que tu l'apprécies. Elle est magnifique. Exactement, mon Sissi. Exactement, Manota Bloetta. Tu parlais tout à l'heure de Vanessa, Manota. Je ne sais pas si tu connais les Q-Posket. Peut-être que oui. Moi, ce sont des figurines que j'affectionne tout particulièrement. Qui sont assez accessibles au niveau budget et qui sont vraiment de qualité pour le prix. Et donc en fait t'as différents formats en matière de Q-Posket. Tu as le grand format et tu as des petites Q-Posket, et c'est notamment le cas avec cette Vanessa Q-Posket, voilà, que tu as en format mini. Je crois que c'est à peu près 5 cm ? Non, un peu plus, 12 cm je dirais. Ouais, c'est tout petit quoi. Et du coup, tu as cette magnifique Vanessa. Donc comme Nota, notre Nota nous l'a expliqué, il s'agit d'Ursula sous sa forme humaine. Et voici la magnifique Vanessa que vous posez sur son petit présentoir. Donc là, vous reconnaissez, hein, c'est quand elle met son fameux pied, voilà, sur sa coiffeuse. Lorsqu'elle chante, elle est exceptionnelle. Et bien évidemment, sa forme Ursula de Sorcière des Mers. D'ailleurs, l'histoire autour d'Ursula est assez passionnante, hein. C'était une sirène avant de devenir Ursula. Donc vraiment. Et puis, Q-Posket, bien évidemment, la petite sirène. Voilà, ça c'est l'édition Perfume Magique. Donc vous voyez, on a plein. Il y a même de la poussière, il faudrait que je fasse le ménage. Donc c'était la petite collection. Voilà, voilà. Ah non, mais je te jure, je vous jure les bouts, je suis mais complètement redding. Quand je vous dis que j'aime la petite sirène, c'est que j'aime la petite sirène. C'est depuis mon enfance, je suis mais complètement à fond. J'essaie de collectionner un peu, dès que je vois un truc à l'effigie de ce Disney, je l'ai. Manota, le point commun là, il est fort entre toi et moi. Là, c'est la petite sirène. Je pourrais en parler pendant des heures. J'ai même le parfum, la petite sirène. Voilà, j'ai le parfum. J'ai le parfum. Ils puent, par contre ils puent, hein. Ils puent la mort. Tu portes ça, on t'amène direct à l'hôpital. Ça va pas, c'est pas possible. L'odeur, c'est odeur moule. Tu sens la moule qui colle sur son rocher. Ça sent pas bon du tout. Par contre, j'ai kiffé le packaging, donc je l'ai acheté. Voilà, je le porte pas parce que ça pue. Mais voilà, je l'ai et on est content. Bienvenue mes petits bouts sur Nottingham, je suis ravi de vous accueillir. On va retourner en jeu, on a terminé notre aventure dans la ville d'à côté, et désormais nous allons découvrir le prochain royaume, le royaume de l'Est. Nous ignorons totalement ce qui nous attend, donc ce que je vous propose, c'est d'accrocher bien votre ceinture et de retourner sur Mimi Topia. C'est parti, c'est l'heure du duel, let's go. J'ai littéralement retenu ma respiration lors de cette transition, puisque je n'ai pas mute le micro et je ne voulais pas vous parasiter avec les bruits de bouche, et donc du coup j'ai fait un gros et heureusement que cette transition ne dure pas très longtemps. Je sais pas si ça vous le fait, des fois on retient trop notre respiration pour des trucs ridicules, je sais pas, genre quand on te prend en photo, tu gardes le sourire et t'arrêtes de respirer, tu deviens tout bleu sur la photo, bref c'est un calvaire, on a tous connu ça. Qui est d'accord pour dire que notre fils fasse davantage de live parlotte? Ah Mamado, tu sais à quel point je suis un bavard, hein. Tu sais à quel point je suis un bavard, et que pour moi c'est tellement important d'échanger avec vous, d'apprendre à vous connaître, et vous faites partie de cette famille Nottingham. Et je suis tellement chanceux, quoi. Je suis tellement chanceux d'avoir des gens aussi cool, aussi bienveillants. Et c'est un cadeau pour moi, en fait. C'est un cadeau pour moi de parler avec vous. Donc merci pour tout. Et c'est trop mignon, en tout cas. C'est parce que tu te rattrapes que ça veut dire que tu as fait une bonne négociation. Mais oui. Alan, il est en train d'intellectualiser le côté marketing, l'échange entre Ursula et Ariel. Tu as raison, Alan, tu as raison. Nota nous écrit, tu t'y connais plus que moi, je connaissais pas l'histoire de Ursula qui était sirène. Eh ben oui, elle était sirène autrefois. Et elle a été chassée par le roi Triton. Et apparemment, le roi Triton serait son frère. Et je pense que ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool, un film sur Ursula. Qu'est-ce que vous en pensez? Genre sur une espèce de préquel.
Et on a notre Gaming Sissi qui écrit « Et c'est un cadeau de t'avoir rencontré. » Oh mon Sissi, t'es trop mignon. Non mais sincèrement, mais je te dis, c'est un bonheur. C'est un bonheur d'être à vos côtés, d'échanger comme on le fait depuis maintenant de 2 ans. Bientôt, vous vous rendez compte, le 18 juillet, ça va faire les 2 ans de la chaîne. C'est juste énorme. Il y a 2 ans, j'ai commencé les streams. J'ai l'impression que c'était hier. C'est un truc de fou. Pour moi, à chaque fois, c'est nouveau. Quand je fais un live, j'ai l'impression de faire quelque chose de découvrir à chaque fois. C'est hallucinant. Hey, Squeeze! Ouh, attention. Attention, les bouts. On redébute l'aventure avec un quiz. C'est parti. Une mémoire visuelle. Allez. Ok, on va faire travailler notre mémoire visuelle. Let's go. Attention. J'entraîne mes yeux. On démarre. C'est parti, Squeeze. Je suis prêt. Le bon héros. Je vais vous poser 3 questions et c'est parti! Ok, quiz, let's go! J'ai peur. Question numéro 1. Oh, trouvez Alan. Alan, il est où, Alan? Attendez, je vois pas. Alan, c'est lui? Je me suis trompé? Oui, correct! Ok, bien joué. Question numéro 2. Trouvez Benou. Oh, what the fuck? Benou, mon Benou, c'est lui? Oui. Bien joué. Oh yes, yes, yes. Question numéro 3. Trouvez Toto. Oh mon Toto d'amour, tu me manques. C'est toi mon Tony Skip. Oui, on a réussi. Formidable. Oh, bah il a l'air d'être très content. Le mec il me dit formidable mais il a une tête en mode de blasé. Félicitations. Merci. Vous avez déjoué tous mes pièges. Voici votre récompense. 3 tickets jeux. Merci beaucoup. J'aurais préféré un film sur Ursula qu'un live action de La Petite Sirène. Eh bien écoute, Manota, moi aussi. Sincèrement, je partage ton avis. J'ai hâte de voir le live action de La Petite Sirène. Ah, toi-même, tu sais, comme on dit en Bretagne. Mais très sincèrement, un film sur Ursula, j'espère un jour que ce soit le cas, parce que je pense qu'il y a énormément à faire avec ce personnage qui est très intéressant. Au-delà d'être une sorcière des mers, c'est avant tout une femme qui a été rejetée et qui est meurtrie. Et c'est vrai que ça, c'est peu exploité, cet aspect de sa personnalité. De toute façon, pour moi, je pars du principe que dans les ciné, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des gens qui deviennent méchants. Vous fêtez ça, un live de 24 heures. Oh là 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 là. Un live de 24 heures, franchement, mais j'aimerais tellement, je te jure, j'aimerais tellement. Mes voisins, un peu moins, mais moi, j'aimerais beaucoup. C'est parce que tu es tellement beau qu'il faut faire des doubles pour tomber sous le charme. C'est sale. C'est ça, Alan, il faut te dupliquer. Ma gourde est complètement vide. Grrr, qui m'a pris de l'eau sans ma permission? Je n'y ai pas touché. Moi non plus, jamais. Je sais, c'est moi en fait. J'ai déjà tout bu, ça valait la peine. Tu as quoi? Ouh là là, on se met en colère, il y a des petites tensions là hein, au sein de notre équipe. Là, ça commence un petit peu à être tendu entre nous. J'espère qu'on va pas se brouiller parce que ça risque d'être un peu compliqué. Est-ce qu'on va vers la source ou est-ce qu'on va tout droit? Allez, on va aller vers l'eau. C'est parti, on va vers l'eau. J'ai la poussière de mes figurines qui me gratte le nez. C'était pas le bon plan. Hein? C'est ta faute, ça, espèce de poisson, va. On est donc au sein de l'auberge. Je vous rappelle que sur Mythopia, les auberges permettent de récupérer ses points de vie, ses points de maîtrise. Mais ce n'est pas tout. On peut également nourrir nos personnages afin d'augmenter leurs caractéristiques. Et il est également possible de renforcer les liens d'amitié entre les personnages. Alors, à quoi ça sert de renforcer les liens d'amitié? Eh bien, ça permet d'être beaucoup plus efficace en combat. Puisqu'effectivement, plus on va avoir une amitié forte avec l'un des mis, plus on aura des capacités en combat, des maîtrises qui vont permettre eh bien, d'être beaucoup plus efficaces. Et ça, ce n'est vraiment pas négligeable. Allez, on continue et on va pouvoir eh bien, peut-être un petit peu faire des jeux. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la roue de la chance? On a baguette de la nuit. Je veux la baguette de la nuit. Je veux la baquequette de la nuit. On doit tomber sur le jaune. Mes petits bouts. Je sais que certains et certaines d'entre vous ont des pouvoirs surnaturels. S'il vous plaît, concentrons-nous, unissons notre énergie pour tomber sur le jaune. Je vous fais confiance. Fermons les yeux, et tombons sur du jaune. J'y veux du jaune. C'est parti. On croise les doigts. Ah.
Ah, on y était presque. Mais cela dit, on a eu quand même le bleu qui était pas mal. Et je crois que c'est l'un des lots les plus puissants puisqu'il s'agit d'une expérience. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc l'expérience, on va la donner à Maloulou. Let's go. C'est pour toi, Maloulou. Et on va retenter. Allez, on retente. Allez, le jaune. On veut la baguette de la nuit. Putain, on la veut, la baguette de la nuit, là. Baguette de la nuit. Baguette de la nuit. Baguette de la nuit. C'est possible. Oh fuck. On a eu le pire lot. Oh là 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 là. Bon allez, je retends jusqu'au bout. C'est notre dernier ticket. On y va. Baguette de la nuit. Baguette de la nuit, s'il vous plaît. Je sens que ça va être la baguette de la nuit. Oui. On a eu la baguette de la nuit. Je suis trop content. On l'a fait. C'est trop stylé. On a réussi, mes petits bouts. Franchement, j'ai eu peur. J'ai eu assez peur, mais on a réussi. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, la baguette de la nuit, elle est trop belle. Oh, ça me donne envie de m'asseoir dessus. Franchement, j'ai envie de m'asseoir sur cette baguette. Elle est tellement belle que on va la donner à Benou. Et ça va augmenter de manière assez drastique hein, quand même, hein, ses compétences. C'est très bien ça. Génial. Il y a Gaming Sissi qui a écrit « Je me suis mis à genoux sur mon lit. » T'es trop mignon. Merci, merci pour cette énergie que tu m'as apportée, mon Gaming Sissi. Darkburn nous écrit sur notre chat « J'avais pas entendu que Ursula était une sirène et que le roi Triton avait volé le trône et le trident à son père qui était le roi à cette époque. Mais elle n'a pas changé d'espèce dans ce que je connais. Et c'est parce que sa famille a été attaquée qu'elle est devenue méchante. » Ça c'est super intéressant. Franchement, ça mériterait qu'on s'attache de manière beaucoup plus attentivement sur l'histoire d'Ursula. C'est passionnant en tout cas, vraiment. En tout cas, merci les bouts, on a eu la baguette de la nuit, je suis trop content. Allez, est-ce que je peux acheter des trucs maintenant intéressants? Loulou veut une nouvelle armure. Oui, allez, on va lui donner. Allez, Loulou, achète-moi cette armure. Oui! Oh, c'est trop mims. On adore. Ouais, on aime beaucoup. Mais je vais quand même lui laisser son armure de base qui est quand même plus jolie. Voilà, on va la porter en invisible. Voilà, je préfère les petites étoiles dorées comme ça, c'est un petit peu plus girly. Et on kiffe quoi. Oh, Noctis voudrait bien une lance sucrée. Mais quel coquin ce Noctis. Et il veut une lance sucrée. Allez, on te l'achète. Achète la lance. Ah, j'en étais sûr. C'est pour ça que j'ai sorti le achète la lance. Parce que j'étais persuadé que j'allais acheter autre chose à la place. Puisque je suis rêveur. C'est mon tempérament. Ce qui fait que du coup, je me suis gouré et que j'ai acheté un point de maîtrise, un bonbon point de maîtrise à la place. Et ça, c'est relou. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Ce n'est pas bien grave. Donc maintenant... Elle est bien pointue. quelle relation je peux améliorer? Benou avec la licorne. Non, là, je crois qu'on n'a pas besoin d'améliorer beaucoup de relations, en fait. Peut-être Benou avec Loulou. C'est parti, on va leur faire une petite sortie. Qu'est-ce qu'on fait les petits bouts? Allez, on fait pêche. On va partir à la pêche. On adore partir à la pêche. C'est un plaisir. Un plaisir que de se décontracter, de voir comme ça la mer. Un moment de sérénité. Donc on compte sur vous, Razor Loulou et Benou, pour passer un bon moment tous les deux. Je suis persuadé que ce sera le cas. Ça ne mord pas. Oh, tu as attrapé quelque chose? Wow, pas mal, c'est un saumon. Il y a des petits bouts qui sont amateurs de saumon. Pour ma part, je n'aime pas tout ce qui vient de la mer. Vous le savez, hein, j'aime pas le salami. Nickel. Pêcher dans un désert, c'est nouveau. T'as vu ça, Gaming Sissi? Franchement, on n'arrête pas le progrès. Maintenant, on est capable de pêcher dans le désert. On va dire que c'est grâce à la petite oasis qui est à proximité. Et ces arbres, on sait pas d'où ils viennent, mais ils sont là. Je les baveuse, nickel. Bah écoutez, je pense que c'est tout bon. Hein. On va peut-être se donner à manger maintenant, et on en aura fini avec l'auberge. Qui a le moins de PV dans cette team? Ah bah c'est Benou, mais il aime pas. Donc on va donner à Loulou, tiens.
Ah, mince. Elle n'aime absolument pas cette vivre, ce plat-là. Ce n'est pas grave. Allez, on part de l'auberge. On continue notre progression, mes petits hiboux. On va avancer. On va avancer vers le royaume de l'Est. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre avec ce royaume de l'Est. Je vous rappelle que je découvre Mythopia avec vous. Donc on a découvert le premier royaume d'Odebou, on a découvert le royaume du désert, le royaume d'à côté, et désormais nous avançons vers le troisième royaume, celui de l'Est. Donc hâte de voir de quoi il s'agit. Oh, c'est le roi d'Odebou! Oh, c'est vous! La tête! Vous avez vraiment l'air affamé. Ça tombe bien, on a les restes. Oh, gigot royal, merci. J'espère que c'est Veggie. N'oubliez pas de m'en laisser. Ça va aller, merci. Merci monsieur le roi. Allez, on va pouvoir eh bien, descendre, puisqu'ici on a fait tout ce qu'il fallait. Donc let's go. Est-ce que je peux avancer par là? Parce qu'il me semble que je suis déjà allé dans cette grotte. Donc du coup, là, je dois quitter l'est du désert. Voilà, on va retourner ici, et cette fois-ci, on va avancer tout droit. C'est le dieu du désert qui les a plantés, j'en suis persuadé. Et tu sais quoi? Je suis même persuadé que c'est le génie Chantal qui est derrière tout ça. J'en suis sûr et certain. C'est sûr. Ok, donc cette fois-ci, on va aller tout droit. Je sens qu'on arrive dans le prochain royaume. On y est presque, mes petits hiboux. Mais à mon avis, un ennemi va nous tomber dessus. C'est certain. Eh bien non. C'est pas un ennemi, c'est la nuit qui nous tombe dessus. La nuit n'est pas notre ennemi. J'adore la nuit. Je vous rappelle que je suis un hibou de l'espace et que je vis uniquement la nuit. Hey, regardez ça. Ça va être une nuit mouvementée, tu penses? Qui se dévoue pour goûter? Allez, je me dévoue. Gloops. Ouh là là. Oh, délicieux. Ah, super. Ok, le jour se lève. Le jour vient de se lever. C'est une nouvelle journée. Une journée récorée. Et le matin arriva. Oh. Allez, petite tête. C'est déjà le matin? Ok. What the fuck? Ok, on se fait attaquer, c'est bien ce qui me semblait. Je me disais bien que ça faisait un petit moment les hiboux, qu'on n'avait pas eu d'ennemis. Et là, on a carrément... Oh, horrible des papillons. J'ai la phobie des papillons. Ok, loulou, massacre-les, s'il te plaît. Merci. Oh, crrr. Explosion, waouh. Waouh, Benou, il a fait un one-shot, il a explosé tous les papillons. Merci à toi, Benou, pour cette attaque. Bravo, bravo, bravo. Franchement, il a déchiré et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Razor Loulou a gagné un niveau en plus, Meibou. Ok, et on a eu du sucre de papillon. Bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé pour le moment. On va croiser les doigts pour la suite. Oh, l'auberge, on va la quitter, hein. On a une auberge il y a 2 minutes. Faut pas exagérer quand même, hein. À moins qu'il se passe des choses très étranges, mais bon. Nous en avons fini avec le désert d'à côté. Yes! Quand on y repense, on a vécu des aventures. Il y a eu le génie Chantal. Cette histoire de pyramide. Mais on a réussi à s'en sortir. On a fait du bon boulot. Cela dit, le chemin est encore semé d'embûches. Oh non, trop nul. Et si on se la coulait douce par ici, encore un petit peu. Ouais, on a bien mérité une bonne nuit de détente. Yes, yeah, santé. Oh, c'est beau. Ah merde, j'ai fait une capture d'écran quand l'écran était noir. Je suis étonné. Allez, nos liens se sont renforcés. Ça fait plutôt cool. Intérêt naissant entre toi et moi, Alan. Ouh, Alan, est-ce que tu sens ce rapprochement entre toi et moi? Bon rétablissement, yes, c'est cool. Ça, c'est fait. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Oh! Non, il va pas me refaire le coup de voler encore mes compagnons.
deux fois qui me fait le coup. Il a volé mes premiers camarades et aujourd'hui il vole à nouveau mes autres camarades. Effectivement, mes petits bouts, petite explication sur ce qui vient de se passer. L'avatar du mal Nouf Nouf, pour la deuxième reprise, a kidnappé mes amis. Il a kidnappé mes premiers compagnons, Tony Skip, Charès de la Mort qui poète et Chinette. Ensuite, j'ai rencontré d'autres compagnons, Alan Smithy, Razor Loulou, ainsi que Mogwai Ben. Et là, il vient à nouveau de kidnapper mes amis. Je suis dégoûté. On va voir ce qui va se passer. C'est encore un sac-coup de l'avatar du mal, hein? Oh, 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 oh. Finement observé, mon enfant. L'avatar du mal Nouf Nouf a attaqué ton équipe cette nuit. Vous n'avez peut-être un peu trop baissé votre garde après avoir réussi la ville d'à côté. À présent, encore plus de tes amis sont aux mains de l'avatar du mal. Et bon, c'est l'heure de la voix du guerrier. Bon, bah j'y retourne alors. C'était pour toi, Madoka, la voix du guerrier qui m'a niqué les cordes vocales. Faut que je fasse des vocalises à la Armand Altaï, tu sais. Je pourrais peut-être être dans l'équipe, mais bien évidemment, mon gaming Sissi, ce serait avec joie. Je serais ravi de pouvoir t'accueillir au sein de l'équipe. J'en serais ravi. Ah oui, bien sûr, il a pris soin de bloquer à nouveau tes pouvoirs. Oh non, on va devoir changer de classe. C'est trop cool, on va en découvrir de nouvelles. Tu vas devoir choisir une nouvelle classe. Je vous rappelle que dans un premier temps, j'étais chanteur, qu'ensuite je suis devenu diablotin. Et désormais, je vais devoir choisir une nouvelle classe. Alors, mon enfant, qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai même quelques nouveautés pour toi. Regarde bien. Oui, on a débloqué des nouvelles classes. C'est trop cool. Donc, je vais vous expliquer mes petits bouts. C'est l'occasion pour moi de vous expliquer le système de classes sur Mythopia. Dans un premier temps, nous avions plusieurs classes. Guerriers, mages, prêtres, voleurs, chanteurs, cuisiniers. C'était les premières classes sur Mythopia. J'avais choisi donc chanteur, qui était une classe qui était basée sur l'entraide et donner des compétences à mes autres camarades. J'avais dans mon équipe un voleur, en la présence de Charès de la Mort qui poète. C'était une classe plutôt stylée. On avait le guerrier avec Toto qui était vraiment basé sur la attaque, et on avait une cuisinière qui était une classe hybride entre attaque et entraide. Par la suite, j'ai eu une nouvelle équipe où j'ai pu découvrir la classe félin avec Razor Loulou, qui était plutôt cool, diablotin, classe que j'ai incarnée et que j'ai adorée, et ensuite scientifique avec Alan. Désormais, nous allons débloquer trois nouvelles classes, et j'en vois une qui me fait de l'œil. On a la classe tank. Donc tank, c'est littéralement un tank. Un tank avec son canon et son blindage est une machine de guerre ambulante. Ok, on adore. On a la classe princesse. Oh, une princesse fait s'incliner coéquipier ennemi devant son élégance et sa majesté. Et on a la classe fleur. Ouh, en mode hippie San Francisco, années 70, Woodstock, t'as vu? Une fleur exploite les forces de la nature pour soigner ses équipiers en combat. Donc si j'ai bien compris, on est sur du heal. Là, on est plus sur de la manipulation. Et là, on est sur du tank. Ok, très bien. Eh bien, écoutez mes petits bouts. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la classe princesse. Je me sens digne d'être une princesse. D'être une putain de bad bitch. C'est parti. Notis fait désormais partie de la classe princesse. Yes. En avant, Noctis, la princesse. Oui. Eh bien, c'est parti, mes petits bouts. Ne t'en fais pas, moi, Alan. Effectivement, on a changé de zone pendant ce temps-là. Mes premiers coéquipiers, Charès de la Mort qui poète, Chinette et Tony Skip. Les pauvres. Oh, ils sont rejoints par mes autres coéquipiers. Razor Loulou, vous venez d'où? C'est l'avatar du mal, Nouf Nouf. Il a attaqué notre équipe et... Ah d'accord, vous avez vécu la même mésaventure que nous. Mais attendez, vous ne connaîtriez pas Noctis par hasard? Si, bien sûr. Waouh, nous aussi, c'est notre ami. Quelle coïncidence!
Les amis de mes amis sont mes amis. Nous sommes 6 maintenant. C'est bien ça. Ils s'enjaillent comme jamais, ils sont en prison mais ils s'enjaillent. Noctis doit se démener pour nous sauver. On ne peut pas rester là sans rien faire. Nous devons sortir d'ici. Absolument. Il va falloir travailler en équipe. Ça, on sait faire. Yes. Ça fait chaud au cœur de voir mes anciens coéquipiers. Ils sont ensemble, ça me rassure, mais désormais nous sommes seuls. Je vous rappelle que sur Mythopia, à chaque fois que vous découvrez un nouveau royaume, eh bien vous recommencez tout à zéro. C'est-à-dire que votre niveau retombe à zéro et vous avez une nouvelle classe. Et ça, c'est cool. Vous êtes tous beaux ce soir, hein, mon Gim Gim d'amour. Toi aussi, tu es beau, mon Gim. Tu vois, je parlais tout à l'heure de la chance que j'avais de rencontrer des gens qui avaient le cœur en or et tu en fais bien évidemment partie. Merci à toi d'être là, mon Gim Gim. Ça fait chaud au cœur. Je suis devenue une princesse, mon Gim Gim. Ça y est, je suis la princesse Noctisette. Un morceau de choix rôti avec soin fort apprécié des rois. Eh ben allez, c'est parti, Noctisette. Mange-moi ce poulet veggie. Oh! Pas mal. Alors je ne sais absolument pas, je vais découvrir avec vous hein, la classe de la princesse, parce que je ne sais pas, eh bien, sur quoi est basée cette classe. Hein. Allez, on vient de manger, ça tombe bien, je suis un estomac sur pattes, et on a notre gaming sissy qui veut être une fleur. I want to be a flower. Rinse, rinse, 3 times, it smells like a flower. Comme dirait le regretté Likaku, dans un sketch mythique. Et mes petits, bon, on va découvrir le nouveau royaume. C'est parti, passons au royaume de l'Est, le royaume féerique. Oh, trop beau. Oh, on est dans un royaume féerique. Royaume de féerique, c'est trop beau. J'adore. Ok, Ancel. Oula, je peux pas monter avec ma robe, sinon je vais me faire très très mal à la foufoune. Attendez, je vais changer de perruque parce que je vais avoir des cheveux de princesse en fait. Donc perruque avec mon petit éventail. J'attends. Alors, qu'est-ce que je peux me mettre comme cheveux de princesse, mes petits bouts? Il est l'heure de jouer à la poupée. Alors, est-ce que ça, ça fait princesse? Non. Ça, ça fait pas princesse. Non. Non. Ça, ça fait Zézette dans Le Père Noël est une ordure. Non. 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 Ça, ça fait Dragon Ball Z. Ça, ça fait pas princesse. Non. Une petite couette, on aime bien, mais non. Ça, ça fait plutôt princesse Leia. C'est joli ça, je kiffe les deux boules comme ça. Puis elle bouge. Oh, j'adore les boules qui bougent. Vraiment, c'est très satisfaisant. T'es magnifique, voilà, t'es magnifique. Non, ça, ça fait un peu princesse des années 80. J'ai rien contre les années 80, mais les coupes mulets, c'est pas ma cam. Non, ça, c'était Achachou. Ça, ça fait Lady Gaga. On est... Oh, ça fait princesse ça. Mais j'ai envie d'avoir des cheveux longs. Je veux des cheveux de princesse. Je veux des cheveux longs, moi. Où est-ce que je peux trouver des cheveux longs, en fait? Mais des couettes. Mais non, les couettes, ça fait pas princesse. Ça fait pas princesse, les couettes, quand même. Et ça, ça fait princesse des années 80 aussi. Là, on a envie d'aller dans un centre commercial, être habillé en lycra et kiffer sa life, quoi. Ça, je l'avais déjà eu. Cette coupe, ça fait très Mélanie B des Spice Girls. La petite natte qu'on adore. Moi, j'ai envie de mettre cette coupe-là. Je trouve que ça fait très princesse, celle-ci. On aime les paires de boules qui bougent, mais bien évidemment. J'aime bien celle-ci. Allez, ça fait quoi si j'inverse? Oh non, ça me perturbe. Non, je vais mettre de ce côté-là. Allez, c'est parfait. Je laisse mes couleurs violets parce que c'est les couleurs que j'aime. Donc, on est parti. La frange, est-ce que je la change? C'est quoi cette frange? Je la kiffe. Je kiffe la frange. Oh mon dieu. Une frange, on adore les franges. Je kiffe les franges. Par contre, j'aime moins les franges qui ressemblent à ça, genre. Allez, on va mettre ça. Ça, ça fait bien princesse, bitch. On adore. Ok, allez, on est relooké. Oh putain, la coque. Ça me fait une tête. Mais magnifique. Franchement, on adore. Oh putain. Oh my god. Ça y est, on est en mode petite princesse. Allez, c'est parti.
On s'est attaqué déjà? D'accord. Oh! T'es une bombe bébé! Nous écrit Gaming City. Qu'est-ce que c'est ça, des boules? Ok, je peux monter sur le cheval. Je vais te demander de faire renaclement, s'il te plaît, sur contre les pompons. Oui, merci, merci, Fernduza. Merci beaucoup. On a réussi! On dirait qu'on a gagné. Allez, on continue. Et c'est parti. Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Alors, hier soir, tu as mangé quoi, Noctis? Hier soir, tu as mangé dans un resto qui s'appelle Vapiano. Et c'était une putain de tuerie. Et bou, j'ai découvert le resto Vapiano à Disney Village grâce à deux amis. Et franchement, une tuerie. Je ne sais pas si vous connaissez. On a été mais super bien accueillis. On a eu une salade mais de roi et des pizzas mais succulentes. Franchement, je vous conseille Vapiano. Il est content de sa connerie. Mais grave. Grave, mon jus. Vous recevez un ticket de jeu. Ça pourra nous servir pour avoir une robe de beach plus tard. Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Mais tu te rabâches un petit peu, Noctis, non? Fais attention. Hein? Des pompons vont nous attaquer encore? Oh, une dinde! Une dinde qui a un anus en forme de bouche! Oh mon dieu! C'est très bizarre. J'en peux plus de ce jeu. Oh mon dieu, ces fesses me perturbent. Je suis complètement hypnotisé par ce prolapse. Cette bouche. C'est très perturbant d'avoir un anus en forme de lèvres. Ok, bon, on va attaquer ton boule alors, c'est parti. Désolé. J'en peux plus. J'en peux plus quoi. Exactement, il n'y a que dans Mythopia où on peut trouver des anus en forme de lèvres. On adore. Oui, je suis passé niveau 2. Noctis a gagné un niveau. Technique danse princière. Enseigne une danse de bal aux ennemis qui perdent parfois un tour. Cool. Curry de dinde. Jamais été à Disneyland moi, j'attends que tu m'invites. Mais allez viens mon jus. Allez c'est parti, on y va. Direction Disneyland, toi et moi. Et écoute, sincèrement, je ne sais pas si tu es réceptif à l'univers Disney, mon jus, mais moi, ça m'envoie du rêve depuis que je suis tout petit. Alors, il y a nettement plus fan que moi en matière de Disney, notamment la copine avec qui j'étais hier, elle connaît vraiment tout sur tout concernant Disneyland, ce qui n'est absolument pas mon cas, mais ça m'a toujours fait rêver, cet univers. Et écoute, j'y vais pas souvent, mais le peu de fois où je vais à Disney, je suis mais en dehors du temps, et c'est vraiment un lieu où tu oublies tout. Tous tes tracas du quotidien, tous tes soucis, et ça fait du bien de s'offrir ça. Tu sais, à un moment donné dans sa vie, de se dire stop, pause, on prend du bon temps et on chouchoute l'enfant intérieur. Et ça, c'est un bien énorme en fait. C'est excellent. Les bananes PV que vous ne pouvez pas transporter ont été envoyées à l'auberge, ok? Eh bien, on continue. Let's go! Une auberge? Allez, on va se reposer un petit peu et j'espère qu'on va avoir eh bien, un nouveau coéquipier. Ce serait cool parce que là, ça m'inquiète un peu d'être tout seul comme ça. Là, on est livré à nous-mêmes, telle une princesse. Alors, triompher de 50 différents types de monstres que l'on trouve à Mythopia. Cool. Obtenir 50 types de vivres différents, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a obtenu d'autre? Bah, c'est déjà ça. C'est déjà bien ce qu'on a obtenu. C'est vraiment plus cool. Gros bisous Alan, merci à toi, je t'embrasse très fort. Et on a de la visite. On a de la visite, c'est l'heure de l'ASMR. Sommaire. C'est parti Madoka. Qui a frappé à la porte? On va voir ce que ça donne. Putain, j'aime bien ce son. C'est très étrange, mais j'aime bien la sonorité. Allez, c'est parti. Qui a frappé à la porte? Oh mon dieu, mais qui est-ce? Oh oh oh, désolé, tu as dû trouver le temps long. Bonne nuit Alan, merci à toi d'avoir été là ce soir, ça fait trop chaud au cœur. Je t'embrasse très très fort Alan, et à très vite j'espère. Bisous à toi et prends soin de toi surtout. Merci d'être passé. C'est un peu triste de voyager sans le moindre compagnie, pas vrai? Mais, qui sait? Mais c'est peut-être Sissi. Est-ce que c'est Gaming Sissi qui nous a rejoint? Un nouveau compagnon de route? Ouh là là, mon Sissi! Eh bien, écoute, mon Sissi, ce que je te propose, c'est de te créer.
Et pour ce faire, j'aurai besoin de ton aide. On va te créer, on va te mitopier le faciès. Mon Sissi, tu vas rien comprendre. Donc c'est parti, mon Sissi d'amour. On va pouvoir te créer. Je vais te demander, dans un premier temps, de choisir... Ah, tu as déjà un code. Ah bah c'est génial alors dans ce cas-là. Alors je n'ai jamais utilisé de code, donc j'imagine qu'il fallait d'en recevoir. On va voir ce qui va se passer. Alors, par code d'accès. Eh ben super, ça sera l'occasion de découvrir ça. Donc 5. Il n'a pas de temps à perdre, hein, Gaming CC. Il connaît son code, pas besoin de le créer. Il est déjà fait. Il est comme ça, Gaming CC. Il est comme ça. R, je crois que c'est un 0, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un PV, parce que tu étais mal stationné. Qu'est-ce que c'est pas drôle, ce que je viens de dire. Veuillez patienter, suspense. Hey, Saïli, tu es là. Oh, tu en as plein. Eh ben super, Saïli, je vais prendre le premier alors dans ce cas-là. C'est celui-ci, hein. Je vais prendre celui-ci alors. Let's go. Comment qualifiez-vous le caractère de Saïli? Alors là, tellement plein de qualificatifs. Je dirais gentil. Tu es gentil. Tu es rêveur. Moi, c'est les deux trucs que je dirais de toi. Maintenant, Saïli, mon Gaming Sissi, je vais te demander de choisir ton caractère. Qu'est-ce que tu souhaites choisir? Tu as gentil, énergique, relax, assuré, rêveur, déterminé, prudent. Je te laisse faire ton choix, mon petit hibou. N'hésite pas à me dire sur le chat celui que tu souhaites. Sinon, à défaut, je choisirai moi-même. Il n'y a aucun souci. C'est toi qui vois, mon Gaming Sissi d'amour. Tu me dis ce que tu souhaites et je ferai en fonction. Après, moi, effectivement, j'aimerais... je te vois dans deux choses. Tu dirais assuré. D'accord. Ok, très bien. Alors, c'est parti. Tu as choisi assuré. Et maintenant, tu m'as dit vouloir être une fleur. Et ça tombe très bien, puisqu'il s'agit des trois nouvelles classes que nous venons de découvrir dans Mythopia. Tank, princesse que j'ai choisi, et fleur. Et donc, tu seras une jolie petite fleur. Oh là là, on adore cette couleur. Bonjour, je m'appelle Saïli et je suis une fleur assurée. Bienvenue à toi dans l'équipe. Eh bien, c'est parti. Allons-y. Trop content de t'accueillir. T'es trop, trop, trop belle. Hey, salut! Je m'appelle Saïli et je suis fleur. J'espère qu'il y a de la place pour moi. Mais bien évidemment qu'il y a de la place pour toi. Bienvenue, ma petite fleur. Je suis ravi de t'accueillir. Fais en sorte de bien t'entendre avec lui. Bien sûr. Tu rencontreras bientôt deux nouveaux compagnons. Vous ne serez pas trop de quatre pour mener votre quête à bien. Cela promet d'être amusant. Oh, oh, oh. D'ailleurs, à ce propos, petite précision, mes petits bouts. À la base, je voulais faire des sondages sur notre Discord, mais ne sachant pas les rôles en avance, je fais vraiment de manière très spontanée sur le chat. Si jamais vous voulez me rejoindre dans l'aventure, n'hésitez pas à me le dire et je vous créerai donc en mi afin d'être avec moi. N'hésitez pas. Il reste donc deux autres compagnons. Donc si jamais vous voulez faire partie des deux autres compagnons, dites-le moi et je réaliserai votre fantasme absolu. On va te mettre dans la chambre avec moi, mon Sissi. Alors, tu as faim, je vais te donner à manger tout de suite parce que chez moi, c'est comme ça. Quand j'accueille quelqu'un, on mange. Curry de dinde, c'est pour toi. Oh, tu t'es régalé, ça fait plaisir. Et on a de la guimauve que je vais prendre pour moi. Super ça. Hop, je leur donne des PV. Génial. Mais oui, ah, ça fait trop chaud au cœur de te voir aussi heureux d'être dans l'aventure, mon Gaming Sissi. Moi, je veux bien, mais j'ai pas de code. C'est pas grave, mon Julien. Je sais à quoi tu ressembles physiquement. Et puis, tu m'aideras à te créer en mi. C'est ce qu'on a fait hein, pour les précédents copains qui ont voulu me rejoindre. Je les ai créés avec l'éditeur de personnages. On va faire une petite sortie, tous les deux. On va aller au cinéma. Allez, on va augmenter notre relation, mon Gaming Sissi. Let's go! Si on allait voir un film. Allez, c'est parti. J'adore la manière dont on marche. C'est trop fort. Tu as vu comment tu bouges ton corps, mon Gaming Sissi? Regarde, t'es comme ça.
On dirait que tu fais de la danse orientale, c'est excellent. C'est quoi comme film? Un film d'action. Trop bien. J'adore, on est tous les deux en mode bitch. Cool Julien, je suis ravi que tu puisses être emballé par l'aventure, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi de t'être proposé en tout cas. Ok, super mes petits, bon, on vient de renforcer notre relation d'amitié, Gaming Sissi et moi-même. C'était super impressionnant. Oui, vraiment cool. En plus, on a kiffé le film, donc ça, ce n'est pas négligeable. Tu crois que le héros accepterait de se joindre à nous? Oh. En plus, il n'y a pas longtemps, nous écrit Sayli, j'ai vu Demon Slayer, le train de la finie, je crois que ça s'appelle, et c'était extraordinaire. Oh, je suis trop content que tu aies apprécié, Sayli. Bah écoute, c'est un truc de fou, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a deux membres de notre communauté qui ont vu le film, une qui a adoré et l'autre membre de la commu qui n'a pas du tout aimé. Donc je suis trop content de voir que bah, toi t'es apprécié, comme quoi hein, les goûts et les couleurs. Mais ça devait être trop cool du coup. Est-ce qu'on peut faire un petit lot toilette rapiécée? Non, ça ne me branche pas. On a du chachimétaire? Non, pas besoin, je vais pas faire la roue pour le moment. Donc c'est parti, on va pouvoir eh bien, quitter l'auberge. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne, mes petits bouts. Nous sommes sur Mythopia et nous sommes en train de découvrir le troisième royaume. Nous débutons tout juste le troisième royaume qui a l'air d'être totalement féerique. Donc let's go. Ah non, non, je vais pas partir, je me suis trompé. J'ai pas pris Gaming Sissi avec moi. C'est pas grave, je vais retourner dans l'auberge. Ouh, il y a Dio qui est là. Salut Dio. Alors, menu, équipier. Je crois que je peux retourner dans l'auberge normalement. Oui, super. Et là, je vais pouvoir remettre Gaming Sissi avec moi. Ma foi, je ne l'ai pas incorporé. Mon pauvre Sissi, tu es là. Let's go. On est au complet. Et on va continuer mes petits bouts encore un tout petit peu pour découvrir l'intrigue de ce royaume. Et comme vous pouvez le voir, il y a mon Dio d'amour qui est ici. Le grand sage Dio, également un membre émérite de notre communauté. Let's go! On avance et on va parler au grand sage Dio afin de savoir ce qui se trame dans ce royaume de l'Est. Oh, tu es tombé! Aïe aïe aïe! Est-ce que tu vas bien? Noctis propose son aide. Et ça va augmenter normalement notre relation. Yes! Relation renforcée. Ça, c'est trop cool. Hey Nota! Désolé, j'étais passé en sous-marin. Je te fais des bisous, bonne soirée, bonne nuit à tous. Merci, ma Nota. Je t'embrasse de tout mon cœur. Prends bien soin de toi et à très, 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 très vite sur l'un de tes streams. Je te fais plein de gros bisous. À très vite! Et donc du coup, on a augmenté notre relation avec notre très cher Gaming Sissi. Et ça, c'est cool. Allez, c'est parti, on avance. Je veux un lit douillet. Oh oui, un lit douillet. Ça serait tellement bon. Fais de beaux rêves, Nota. Fais de très très beaux rêves. Passe une très belle nuit. Ok, on a plusieurs ennemis. On est deux. Donc ça, ça devrait le faire. Je vais utiliser ma technique danson. Oh, t'es trop mignon, Gaming Sissi. Danse princière. Ok. Le pompon a semé. Ok. On les a un petit peu désarçonnés. Ok, c'est un petit peu comme la compétence du chanteur. D'accord. Allez, Sissi. Oui, jolie. Attaque groupée. Ça, c'est vraiment trop cool. Je vais voir si mon attaque est élevée. J'en doute. Action rêveuse. Mince. Je vais me tromper de cible. Oh, 15 points de dégâts, bitch. Je suis vraiment la princesse Beach et pas la princesse Peach. Première action assurée, point sensible. Ouh. Allez, petite fleur, tu peux le faire. En plein dans le mille. Yes. Fin d'usa, je peux monter sur toi et je t'en remercie. On va faire renaclement qui va faire pour rappel une attaque groupée. Donc c'est parti. Yes. Pas mal, pas mal. Ouf. Ok, il m'a fait des points de dégâts. Yes, on attaque. Et c'est parti. Ok, on l'a eu. Et ça, c'est plutôt cool. On a gagné, on l'a fait, Libou.
On l'a fait, je suis trop content. On continue vers le mage et en plus de ça, on a notre gaming Sissi qui a augmenté en expérience. Bisous Madoka, je te fais plein de gros bisous, passe une très belle nuit toi aussi. Merci d'être passé, merci pour tout et j'ai hâte de voir tes photos sur le Discord. Je te fais plein de gros bisous. Tu fais du 1 point de dégâts, t'en fais pas Sailly, tu vas augmenter, j'en suis persuadé. Et bonne nuit à toi aussi Aux, je t'embrasse de tout mon cœur mon Aux, merci d'être passé, ça fait trop plaisir. Alors, 6 points d'expérience, je vais te les donner. Yes, on a eu des bonnes pattes. De toute façon, on va pas tarder le live. Hein. Là, je voulais vraiment laisser le royaume pour notre prochain stream. Voilà, et là, on va juste se faire un petit tease de ce que nous réserve notre prochain live. Ah, le grand sage Dio. Je le prends en photo pour le poster sur notre Discord. Comment on se retrouve? Bonjour, grand sage Dio. Vos derniers exploits me sont parvenus aux oreilles. Vous avez remis Chantal dans le droit chemin. Impressionnant. Bah c'était rien. Au fait, vous êtes toujours à la poursuite de l'avatar du mal. Eh bien... Là, je raconte toute l'histoire. Voilà, qu'il a volé nos compagnons. Je vois, ça n'a pas dû être facile tout ça. Je crois savoir où est passé l'avatar du mal. Vous devriez vous diriger vers le havre des elfes. Des elfes. Oh, trop bien, les elfes sont des esprits de la forêt, ils n'ont pas leur pareil pour utiliser la magie. Ils devraient donner du fil à retordre à l'avatar du mal. C'est trop stylé. Bon, je dois y aller, à la prochaine. Ah, c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Je sens que je vais surkiffer les hiboux, ce plateau, ce royaume féerique. Franchement, ça donne tellement envie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à la ville pour la découvrir. Et je pense que ça sera le point final de notre stream de ce soir. Et bien évidemment, on se retrouvera très vite, mes hiboux. Comme vous le savez, je stream tout le temps. Les lundis soirs, les mardis, en fin d'après-midi et les mercredis soirs. Mais je stream aussi de manière totalement improvisée puisque je suis un mec qui improvise tout le temps. Mais dans tous les cas... Quoi qu'il en soit, je préviens toujours sur mes réseaux, que ce soit sur Discord, Facebook, Instagram ou bien même Twitter. Donc n'hésitez pas à solliciter tout ça afin d'être informé de nos prochains streams. Et on a obtenu 3 tickets de sortie, c'est très cool, on va en faire tout de suite à fond pour augmenter notre relation au grand maximum avec mon Sailly. J'espère bien prononcer d'ailleurs ton pseudo, parce que j'ai l'habitude de t'appeler Gaming Sissi, mais tu as changé, donc je dirais Sailly maintenant, désormais. Hey, on va discuter ensemble. Noctis a acheté un cadeau, regarde, je t'offre un cadeau. C'est pour toi. Oh, c'est trop mims. Merci. Oh, Noctis en peluche. C'est pas du tout narcissique que d'offrir une peluche à son effigie, hein. Pas du tout. C'est pour toi, Sailly, une peluche de moi-même. Ne fais pas de bêtises avec, hein, je te le dis tout de suite. Attention, hein, je te surveille, hein. Je t'en prie, Sailly, avec plaisir. Ok, c'est parti, maintenant... Est-ce que mes relations ont changé? Non, c'est toujours les mêmes avec Findusa. Donc on va faire une petite sortie à nouveau. On va faire du shopping, toi et moi. Oh, ma chachou. Merci, Nicolasson, pour ces 100 bits. C'est trop mignon. Et c'est beaucoup trop. Merci, ma chachou d'amour. C'est énorme. Merci du fond du cœur pour ce magnifique cadeau. Merci. Ma chachou, on t'a vu tout à l'heure dans l'histoire. J'ai pris une capture d'écran, je te montrerai sur le Discord. Eh bien, je crois qu'on est arrivé au village. Il est trop beau. Alors, on m'a donné ça. T'as vu ma chachou? Regarde, je suis une princesse. Je suis la princesse Noctis et je suis en compagnie de Sailly, ici présent sur le chat. Et c'est une fleur, Sailly. Hey, on est passé niveau 3, mise en garde. Merci, mon petit cœur. Merci, t'es trop chou. Vous êtes trop mignon, franchement vous me gâtez à chaque fois et vous êtes tellement gentil. C'est adorable. C'est vous les mims. C'est pas moi qui suis mims, c'est vous. C'est vous les mims. Vous êtes des mi surtout. Une princesse qui gagne des bananes. Je suis une princesse cochonne. J'adore avoir des bananes et je m'assois dessus sans crier gare.
donner à manger. Sissi a faim. Ça augmente les PV et les PM. Donc je vais donner les PM pour Sissi. En tant que fleur, je pense qu'il a... Ah mince, il n'aime pas du tout. Bon, au moins on le saura pour la prochaine fois. Et moi, je vais me donner ça. T'as vu, Sally est super jolie, hein? Génial. Allez, on va découvrir le village, mes petits bouts. Et je pense que ça sera bon pour ce soir. Let's go. On sort de l'auberge. Et où est-ce qu'il est, le village? Eh, il est tout en bas. D'accord, on va atteindre le dernier point en bas, alors. Ansel, c'est parti. Ah, vous êtes choux, tous les deux. Non, mais ma chachou, elle est magnifique. Et puis, tu l'as vu en Mi? Je sais pas si t'étais là, Sissi, quand j'ai fait Charès en Mi. Moi, ma pote m'a prêté Mario Odyssey. Je découvre le jeu ce soir. C'est excellent. Oh, putain, Julien. Oh, trop stylé. Franchement, mais kiff. Kiff sur ce jeu. Kiff. Je sais qu'on a énormément de goûts en commun, toi et moi. 10 points de dégâts, ça fait pas trop mal. Noctingale, bitch. It's Noctis, it's Noct, bitch. On adore le Noctis, bitch. Noctis, bitch. Ah là là, ma chachou, je te jure. Oh, regarde cette petite danse de princesse. Du coup, on l'a perturbée. Hop, let's go. Et maintenant, on fait une attaque. C'est parti. On aura bien besoin d'un tank, hein, dans notre équipe, hein. Le prochain qui va nous rejoindre dans l'équipe, ça sera un tank. Ça, c'est clair et net. Parce que nos attaques ne sont pas bien élevées pour le moment à moi et à Gaming Sissi. Sayli, pardon. Je veux plus combattre, ça va aller mon Sayli. Reprends-toi, tout va bien se passer. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as mangé une banane. Ce n'est pas bête. Petit gourmand, va. Noctin Beach, changement de pseudo en perspective. Tu sais que Noctin Beach, c'est comme ça que j'ai rebaptisé mon petit emoji sur notre Discord qui est le Hibou Beach avec sa grosse aubergine dans la main. Oh, le dindon. Et cette fois-ci, il a une lèvre à la place des fesses. Et bah, c'est parti, attaquons. Je vais utiliser ma technique danse princière pour les perturber tous les deux. Instant princier. Oh, ça a fonctionné, trop cool. Mais ce qui est drôle avec Noctin Game, c'est que tu peux tout faire derrière. Tu peux mettre Noctin Beach, Noctin Vlog, Noctin... tout ce que tu veux. Noctin Bouffe. Ok, on va attaquer. Ça tirait trop bien. Mais je suis une bad bitch, mon Sayli. Je suis une bad bitch. On en dit des bêtises, hein. On en dit des conneries, quand même. Hop. Allez, tu peux le faire. On attaque. C'est parti. 10 points de dégâts. Le combat va être très très long. Attention. Esquive. Ah, j'ai pas réussi à esquiver, mais ça a amoindri mes dégâts, quand même. Tu peux le faire, Gaming City. Oui. Allez, on va attaquer, on est presque à la fin. Yes! On l'a eu, mes petits bouts. Génial. Vivement le prochain combat, carrément. On continue d'avancer. On a obtenu un curry de dinde et des pâtes sauce tomate. Franchement, ça donne trop faim. J'ai tellement faim. T'as gagné la lune! Oh là là, petit coquin. Je sais, mon jus, que tu aimes les lunes, hein, petit coquin. GG à toi, Julien. Allez, c'est parti, on va utiliser notre technique. Let's go. On chante danse princière. Hey. Ah, par contre, la dernière dinde d'arrière n'a pas été perturbée. Et ça, c'est pas cool. Oh, première action assurée, évitement. Action assurée. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué, Sayli. Ok, je peux faire une attaque à cheval et ce n'est pas de refus. Je vais faire renaclement qui est un petit souffle des naseaux qui affecte tous les ennemis. Et ça, c'est vraiment trop cool parce qu'on va faire vraiment un dégât collectif. Donc je vous recommande vivement sur Mutopia d'utiliser ce genre d'attaque. Pour preuve, j'ai tué deux ennemis d'un coup en m'écriant bitch. Allez, c'est parti. On y va. Un point de dégâts, ce n'est pas grave. On va attaquer. Allez. Oui, yes, yes. On a réussi, bien joué mon Sayli. Tu as géré. On continue.
Et on est passé tous les deux niveau 3 en plus. Noctis a gagné un niveau et j'ai débloqué la technique Salut Majestueux. Génère avec l'éventail une rafale de vent magique qui frappe l'ennemi. Putain, trop bien. En mode Kitana sur Mortal Kombat. Fatality. C'est parti. Saïli a gagné un niveau et senteur subtile, on adore tournifler, redonne à un équipier des PV grâce à un parfum magique aux notes florales. Oh, j'adore. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Très, très bien, la fleur. Très bien. Allez, on y est presque. Je pense qu'on va trouver peut-être une petite auberge. Ce serait cool. Oh, un coffre. C'est encore plus cool. Ok, on l'ouvre. 180... pièce d'or. Yes! Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est même très bien. Allez, avançons vers le village des elfes. J'ai trop hâte de les rencontrer. On a l'auberge. On va pouvoir se reposer, mon Saïli. Et peut-être qu'on aura un autre camarade qui va nous rejoindre. Ce serait cool. Ce serait vraiment trop cool. Ok, on restaure nos PV. On va parler tous les deux. On a un peu de temps pour nous aujourd'hui. Je vais en profiter pour changer un peu de look. Oh yes. J'ai hâte de voir ça. Allez, je te donne la minute. Allez, tout à toi. Prends tout ton temps. Tada! Oh, la classe. Ah, j'aime trop le dégradé de blanc et de violet. T'as la même coupe que Razor Loulou. Franchement, ça te va trop bien. La petite coupe années 80. Je valide. Franchement, je valide. Hey, bonne entente, on est passé au niveau 4, sollicitude, ça va nous permettre eh bien, de consoler le partenaire qui vient d'être touché. Et ça augmente donc les liens entre les partenaires. Cool! Allez, on va se faire une petite sortie pour augmenter encore plus notre amitié. C'est quoi ça? Je vois pas avec ma grosse tête, c'est quoi ces salles de sport? Allez, deux princesses à la salle de sport. Est-ce que t'es prêt, mon Saïli? On y va. C'est trop cool qu'ils aient une salle de sport dans ce monde enchanté. Comme quoi, les elfes peuvent se muscler également. Pas besoin de vagabonder d'arbre en arbre. Ok, on y est. Ouh, la salle de sport. Je vais vous montrer mes muscles. On s'entraîne à quoi? Aux haltères. Oh yes, c'est parti pour les haltères. En robe, c'est pas très pratique, cela dit. Pas mal, pas mal. On est au taquet, là, avec Saïli. La petite musique. Eh ben, décidément, on va devenir les BFF, hein, toi et moi. Louange. Couvre le partenaire de compliments. Yes, yes, yes. On kiffe, on kiffe, on kiffe. Souvenir, gorille protéine. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, on va se donner à manger. Du coup, c'est les PV et l'attaque. Bah, super. Ensuite, on a pâte sauce tomate. Ah, ça, tu les adores. Tu aimes bien. C'est pour toi. Yes. Ça va t'aider pour le basket. T'as une prochaine compétition bientôt, Saïli? Pâte sauce tomate. Les PM, bah, pour moi. Ah, j'ai trop mangé. Bon, ça sera pour toi. Ah, bah, on a plus faim. Ok. Eh ben, on est repu. Donc, très bien. Maintenant, donner de l'argent. Je veux une nouvelle tenue. Oh, elle est trop belle. Notre thèse voudrait bien une toilette en soie. Oui, je la veux. Elle est trop belle, cette robe. Oh oui, elle est trop belle, avec la couronne. On dirait la tenue de Jinx Monsoon dans la saison 6, de RuPaul Drag Race, le grand final. Oh, je vais la mettre en quelle couleur? Oh, rouge, c'est trop beau le rouge. C'est vrai que ma couleur, c'est le violet à moi. Oh, rose. Oh, je vais la mettre en rose. Allez, girly jusqu'au bout. On va mettre du rose comme mon éventail. Oh putain, j'adore. Super. Ah, j'y suis content. Franchement, j'y suis content, j'ai ma robe en soie. Franchement. C'est pas prévu pour le moment, mais j'espère pas en juillet, je suis au Sénégal. Mais oui, tu pars au Sénégal, c'est trop bien. C'est trop bien, je suis trop heureux pour toi. Trop heureux. Tu vas voir ta famille là-bas? Toilette en soie. Ah merde, je viens de l'acheter. Fuck. Fuck, fuck. Bon, bah on part, hein. C'est parti. Let's go. Oui, RuPaul, ma chachou. Écoute, trop trop hâte de voir la suite, hein. Je dois attendre Ray. Je vois Ray ce week-end normalement, donc je pense qu'on va continuer RuPaul Drag Race ensemble. Et c'est vrai que j'adore, la saison 13, elle est excellente. Elles sont vraiment ultra talentueuses. Ouh, on peut faire des mises, c'est trop cool!
Venez, on va faire des célébrités. Je vais faire Michael Jackson. J'ai envie de faire Michael Jackson. Je vais faire Michael Jackson en mi. C'est parti. Crée un nouveau mi. Donc on va faire Michael Jackson à partir de zéro, homme, visage. Donc Michael Jackson a un visage genre super fin comme ça. Ok, couleur, mais il a la peau extrêmement blanche. Est-ce que je peux changer la couleur de la peau quoi? Est-ce que je peux pas mettre une peau plus blanche en fait? Oui, et Michael Jackson âgé, hein, je tiens à vous préciser. Donc du coup, il a les petits trous rouges comme ça. Ok, on est plutôt bon. Les yeux, il a les yeux tout fins, mais genre en mode tout fin comme ça là, en amande tout fin. Est-ce que je peux trouver ça? Ouais, peut-être cela. Et il va falloir que je les réduise. Comme ça. Comme ça. Et ils sont genre tout petits comme ça. Ok. Donc, au niveau du nez, ah bah le nez, on va s'éclater. Parce que le nez, il en a plus. On va mettre ça. C'est génial. C'est le nez de Michael Jackson. Ah, j'adore. Ah oui, ah non, mais là, c'est parfait, là. C'est... Là, 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 c'est Michael, là. La bouche, il a une bouche, genre... comme ça. Oh, my God. Oh, my God, j'adore. Mais il a une toute petite bouche, comme ça. Mais super large, genre, comme ça. Oh my God. Bon, en fait, il ressemble vraiment pas à Michael Jackson, mais c'est mon Michael Jackson à moi, quoi, tu vois. C'est le Michael Jackson à la Noxis. Donc, plus de choix niveau couleur de cheveux. On va mettre les cheveux noirs. Oh, la... Non, c'est pas la bouche que je voulais changer, wesh. Il a la bouche rose, d'ailleurs. Il a une bouche vachement rose, comme ça. Donc, ok. C'est la coiffure que je voulais changer. Il a une putain de frange. Bon, de toute façon, on va lui mettre... Voilà, on va mettre ça. Non, mais c'est magique, là, ce que je suis en train de faire. C'est vraiment Michael Jackson, là. Ça me fait trop peur. Et il a des sourcils, mais genre ultra fins, comme ça. Oh my God. C'est le Michael Jackson de Wish. C'est le Michael Jackson de Wish. AliExpress, tout ce que tu veux. Il a un grain de beauté, Michael Jackson, il me semble, non? Il me semble qu'il a un grain de beauté, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi au niveau du corps? Franchement, il y a un truc, on est d'accord. Alors, il est très grand. Comme ça. Voilà, comme ça, ça me paraît plutôt cool. Et on va l'appeler... on va l'appeler... Michael, quoi. Attends, non, comment on peut l'appeler? Attendez, attendez, comment on peut l'appeler? Genre le titre d'une chanson. Billie Jean. Non, c'est pas drôle. On va l'appeler Michael. Michael, ça c'est drôle, Michael. 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 Jackson. Ah, j'en peux plus. Non, je vais pas avoir assez de... Non. Je n'ai pas assez de... Je vais l'appeler Jackson. Oh, MJ, MJ. Voilà, on va l'appeler MJ. Allez. C'est bon. On va pas passer 10 ans. On l'appelle MJ. Voilà, Michael Jackson. C'est bon, on est content. Le rouge, c'est sa couleur. On va après faire du make-up. Par contre, les sourcils, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas une position comme ça. Ils sont hauts comme ça. Ils sont un peu plus fins. Ils sont surtout comme ça. Et ils sont ultra fins comme ça. Voilà, là on est bon là. Ok, on a terminé. Coucou. On a le premier. Il est génial. Chargé de garder la porte du village, il est toujours plongé dans ses rêveries. Ah bah mais c'est clairement Michael Jackson hein. Allez, super. Donc on a fait Michael Jackson. Maintenant j'ai envie de faire Madonna. Fan des fées. Ah d'accord, on va faire... Attendez, il faut qu'on fasse un trio gagnant, là. Fan des fées, il faut qu'on fasse un trio gagnant. Donc, Nicki Minaj, on peut faire quoi? Nicki Minaj... On va faire... Non, on va faire Madonna, Britney Spears
et Beyoncé, ok? On va faire Madonna, Britney Spears et Beyoncé. T'as vu, ça ressemble grave. Allez, on commence par Madonna. Ce membre du fan club des fées voue une grande admiration à la cadette. Allez, c'est totalement Madonna, c'est parti. On va créer Madonna, les petits bouts. Partir à zéro, donc femme. On va faire... Ah oh, bah c'est carrément le visage de Madonna, ça. Parfait. Parfait, parfait. Elle a la peau claire, donc c'est nickel. On va peut-être la faire moins claire que celle de Michael Jackson. Voilà, Madonna, le côté Portugal, un peu plus bronzé. Les yeux, elle a des yeux très fins et très souriants. Donc, on va faire des yeux genre... Non, les yeux de Madonna. Il faudrait que je regarde une photo. Qu'est-ce qu'on peut lui faire comme regard à Madonna? Ouais, ça peut être pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, la position, elle a les yeux assez hauts, comme ça. Écartés, non, rapprochés comme ça, Madonna. Comme ça, en amande. On va les faire gros comme ça. Voilà, là, on va les faire tout petits comme ça, parce qu'elle a les yeux un petit peu plus espacés. La couleur, il me semble qu'elle a les yeux... Je sais même plus la couleur des yeux de Madonna. La couleur des yeux de Madonna, elle est quelle couleur? Elle a des grands yeux. Ah, tu crois? Moi, je trouve qu'elle a des petits yeux, Madonna, justement. C'est quoi la couleur des yeux de Madonna? C'est bleu, il me semble, non? Madonna, elle a les yeux bleus? Je sais même plus. Ou marron, j'ai un doute. Attendez, je vais regarder sur Internet. Ah non, elle a des tout petits yeux, Madonna. Oh putain, je suis tombé sur une photo. Excusez-moi, mais ça fait peur, quoi. Regardez la tête de Madonna. C'est pas Madonna, ça. C'est Madonna botoxée. Bon, elle a les yeux bleus. Ok. C'est bien ce qui me semblait. Plus de choix, on va faire un bleu un peu plus clair. Ok, donc au niveau des yeux... Putain, mais c'est pas possible, faut pas que je fasse Madonna après chirurgie, hein. Ok, elle a une grosse bouche, genre comme ça. Mais ce qui serait bien, c'est de faire ces... Vous savez, ces fameuses dents qui sont écartées, les dents du bonheur, je trouve ça trop joli. Genre ça. C'est la Madonna flinguée, la Madonna du pauvre. Non, bon, on va pas faire ça. Mais elle ressemble pas du tout à Madonna, en fait. Ok. Bah allez, on va faire une Madonna comme ça. Allez, ça bouge. Ah, j'adore. Ok. Donc là, on est plutôt bon. Oui, on peut faire Madonna dans sa période Frozen, Madonna dans sa période californienne. Il y a plusieurs Madonna. Hein. On peut faire la Madonna de Like a Virgin aussi. On peut la faire en mariée. Il y a tellement plein de Madonna. Elle a mille et un visages, cette femme. Ok, donc du coup, je vais la mettre en blanc, la couleur de la pureté, ou pas. Au niveau... Non, mais elle ressemble pas du tout à Madonna, c'est un calvaire, j'ai fait n'importe quoi, là. Ses cheveux, déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire comme cheveux? On va faire la Madonna des années 80. Allez, c'est parti pour la Madonna des années 80. On va lui mettre la petite coupe des familles, que j'aime bien, que je vais retrouver. Ah, mais non, elle est disponible que dans maquillage. On l'a pas ici. Ça ressemble bien à la coupe de Madonna, ça, je trouve. Il y a un petit côté Madonna, effectivement. On peut la faire en mode Evita, aussi. La Madonna Evita. Putain, en fait, il y a tellement 3000 Madonna. C'est pas possible, quoi. Super, merci, mon Sailiter, un amour. Ah, ça fait très Madonna, ça. Ça, j'aime beaucoup. Ça fait très Madonna. Voilà, comme ça, ça me paraît plutôt cool. Ensuite, on va mettre les sourcils. Elle a des sourcils très fins. Enfin, fins et épais à la fois, ce qui est complètement contradictoire. Voilà, ça, comme ça. Voilà, ça, c'est du Madonna tout craché. On adore. Et la couleur, on va mettre la même. On va mettre un petit jaune un peu plus prononcé. Voilà, et je crois qu'elle a ce petit grain de beauté à la Material Girl qui est juste ici. Voilà. Putain, c'est vraiment la Madonna écrasée par un bus, hein, que j'ai fait quand même. Hein. On est d'accord avec ça. Hein. Mais en fait, on peut vraiment améliorer sur l'éditeur de personnages qui est lié, vous savez, à Mythopia. Parce que là, c'est le...
c'est le, comment dire, l'éditeur de base et on peut pas faire des trucs de fou avec Madonna. C'est parti. Like a virgin. Et on est plutôt bon là. On est plutôt bon. C'est plutôt pas mal, je pense, ce qu'on a fait pour Madonna. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, il y a deux N à Madonna déjà. Hop. Hop. Voilà. C'est vrai, t'aimes bien Sailie? Je trouve que je l'ai un petit peu raté. Mais elle a le mérite d'être drôle. Ok, donc on a fait Madonna. Madonna, ce membre du fan club des fées. Ok, on est plutôt bon. Ensuite, on va créer... Qu'est-ce qu'on peut créer? Verda, c'est qui, elle? Pense valoir mieux que les grandes fées et profondément les trois sœurs. Oh bah putain, ça c'est Beyoncé. Pense valoir mieux que les grandes fées et profondément les trois sœurs, mais c'est Beyoncé avec Michelle et Kylie. C'est Beyoncé, on va faire Beyoncé. Let's go. On va créer Beyoncé Girl. J'adore. Donc, let's go. Beyoncé, elle est magnifique, Beyoncé. Beyoncé, elle est sublime comme femme. Le visage qui ressemble à Beyoncé, ce serait quoi? Bah, ce serait celui-là. Hein. Couleur de peau, on va mettre... non, je crois que c'est plus comme ça, Beyoncé. Très bien. Elle a des magnifiques yeux. Hop. Elle a des yeux de bitch. Genre comme ça. Hop. Ils sont assez bas. On va les rapprocher un petit peu plus. Comme ça. Hop, on va les relever comme ceci. Attendez, on voit ma grosse tête, ça va vous déranger. Oh, on dirait qu'elle louche. Ok. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça, on est bien. On va les faire un peu plus grand comme ça. En couleur, elle a les yeux noirs. Hein. On peut lui mettre marron, peut-être. On va lui mettre marron comme ça. Ça serait bien peut-être un marron un peu plus foncé. Est-ce que c'est possible, messieurs, dames? Voilà, comme ça. Donc, du coup, au niveau de sa couleur, Beyoncé, bah voilà, écoute, hein, Beyoncé sur ma vie, on va la mettre en quoi? En quelle couleur, Beyoncé? Tenue de scène oblige. On va mettre. Elle est du jaune. Beyoncé, elle sera en jaune. Elle a pas de pilosité faciale. En cheveux, elle a de très longs cheveux. Non, mais elle ressemble pas du tout à Beyoncé, en fait. On dirait, je sais pas, Colette. Colette, assistant maternel. C'est pas possible, j'ai pas fait Beyoncé, là. Bon, c'est pas grave. Couleur de cheveux, on va lui laisser comme ça. Les sourcils. On va lui faire des sourcils bien sophistiqués. Parce que c'est quand même Beyoncé, hein. Voilà, comme ça. Comme ça. Et on va affiner les sourcils, super. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un sourcil chelou. Ok. Ah, voilà. Voilà, ça c'est plus Beyoncé déjà. Beyoncé, Beyoncé. On dirait Weshden. Grave, on dirait Weshden. Et au niveau de la bouche, elle a une bouche bien pulpeuse, Beyoncé. Genre ça. En rouge comme ça. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas trop le choix. Je m'éclaterai plus avec le truc Mythopia. Allez, Beyoncé, on est bon. On va l'appeler Beyoncé. Beyoncé, bitch. Et après, carrément, je veux bien prendre tes codes. Mon Sissi, si jamais tu peux m'envoyer tes codes afin d'avoir Nicki Minaj, j'en serais ravi. Beyoncé. Beyoncé, la famille. Beyoncé. Beyoncé et rien d'autre. Où est-ce que je peux trouver? Voilà, Beyoncé. Hop. Et voilà. Nickel. Bon, là, on est bon. Ah, merci, mon Sailie. Tu es trop mignon. Merci beaucoup. Allez, on a la petite Beyoncé qui déteste les trois sœurs. Et là, on va mettre Nicki Minaj.
Tristan, son membre de fan club des fées adore les faciles. Benjamin, non, ça sera pas lui. Justin, son membre de fan club des fées voit sa grande idole. Eh ben, c'est parfait. On va mettre Nicki Minaj. Ça lui colle à la peau. Recevoir. Donc, c'est parti. Par code d'accès. Donc, let's go. Ça va être du 5GNR. Comme René la taupe 0 PV. Mais ça, c'était. Mais non! 5G, N... Ah, tu l'as fait, d'accord. Ok, c'est pour accéder à tes trucs. Parce que je me suis dit que c'est ça, c'était ton code à toi. Mais c'est parce que ça doit faire partie de tes mis, d'accord. Donc, on a... Belle. Oh, excellent. Oh, c'est génial, tout ce qu'on peut avoir. Mais c'est parfait, tout ça. Oh, mais c'est super. Merci pour tout. On a Céleste. Oh là 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 là. Mais c'est magnifique. On a Kirby, Inata. Saiki, Applejack, oh Rarity, mon dieu, des petits poneys. On a même, oh mon dieu, on a même un Pokémon, on a Sakura, on a Ariana Grande, on a Nicki Minaj. C'est génial. On a Gardevoir, non mais c'est parfait. Non mais c'est nickel. Allez, on va mettre Nicki Minaj. Ah, c'est génial. Merci mon Saïli d'amour, merci beaucoup. Ah, tu m'éclates là. Et du coup, pareil, Tristan, on va le changer. On va recevoir par code d'accès. Je dois le remettre à chaque fois. 5GN. Ah non, mais là, je suis en train de vivre ma meilleure vie là. Merci beaucoup, mon Sissi, pour ta gentillesse. C'est super. Donc, du coup, il y a du level, c'est excellent. Mais merci, merci, merci. Alors là, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre du coup en troisième? Ça peut être vraiment très drôle. On va regarder tout ce qu'il y a. Il y a Trollface. Mais c'est génial. Ah, je suis trop heureux. Majora Mask. On a Mojo Jojo. Vas-y, je vais mettre Mojo Jojo aussi. Hein. Mona Lisa. Excellent. Mononoke. Oh, regardez tous les visages qu'on a. C'est excellent. Je vous laisse découvrir. On a François Hollande. On a Marnie de Pokémon, on a Link, oh là là, magnifique. Oh, mais je suis en kiff total là, je suis en kiff total, franchement, mais c'est que du bonheur là, c'est que du bonheur. On va mettre, eh bien écoutez, Trollface. Ah mais c'est excellent, on va tous les changer. Ici, je vais mettre les... Ah non, en fait ça aurait été trop drôle de mettre Bulbelle et Rebelle ici, mais c'est pas grave. On va mettre... on va faire un petit peu du what the fuck en fait, hein. On va faire complètement du what the fuck. Hop. Alors, on va mettre ici. On va mettre. Non, attendez, vous savez quoi? Je m'en fous. Je vais prendre le temps de faire ce que je veux faire. Donc, en gros, excusez-moi, mais ce que je vais faire, c'est que je vais ici mettre Bulbelle et Rebelle, ok. Et Madonna, de toute façon, elle est enregistrée, je vais la mettre ailleurs. Donc, du coup, je vais changer ici. Je vais mettre... J'adore les Super Nana, en fait. J'ai des chaussures Super Nana que j'ai achetées à Bershka. Donc, je vais mettre Belle au centre. Où es-tu, Belle? Tu es là. Belle. C'est génial. Je vais mettre Bulle ici. Ah non, mais je suis trop heureux là, franchement. Mais merci mon gaming Sissi et bravo pour ces visages. Bravo. On va mettre Bulle. Normalement, on devrait avoir Bulle quelque part. Ici. Oh, trop mimes, Bulle. Et on va mettre Rebelle ici. Non, mais c'est excellent. On va mettre Rebelle. Ah, mais c'est trop fort. Mais là, je suis en kiff total. Merci pour tout. Rebelle qui est censée être quelque part par là. Elle est ici. Elle est trop bien faite. Elle est extrêmement bien faite. Ok, donc là on a Bulle, Belle et Rebelle. Là on a Michael Jackson. Ici je vais mettre Madonna. Donc normalement elle est toujours dans mes archives. Choisir un mi existant. Normalement j'ai Madonna qui est... Bitchy Beats. Est-ce que j'ai Madonna quelque part? Ouais, là on a Madonna. On va la mettre là. Super. Ah ouais, chapeau, c'est super bien fait. Donc maintenant, ici, on va mettre pas Beyoncé parce qu'elle est archi mal faite. On va mettre Nicki Minaj. Donc c'est parti pour Nicki Minaj. Non mais on va s'éclater.
Ah non, mais ils sont extrêmement bien faits, hein. Ils sont extrêmement bien faits. Où es-tu, Nicky Ménage? Nicky, tu fais le ménage? Où est-ce que tu es, Nicky Ménage? Est-ce que tu es là? Putain, c'est trop stylé, il y a Doja Cat et tout. Ah, oh, j'adore. Allez, femme jalouse, ça va être Nicky Ménage. Ça, c'est qui? Le feignant. On va voir qui pourra être le feignant, du coup. Putain, mais c'est trop fort, j'adore. Le feignant, oh bah ça peut être Shrek. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme feignant? Un petit feignant qui peut être... Ganondorf, non. Oh, le feignant peut mettre François Hollande. C'est génial. Et ensuite, on a qui? On a la sorcière espiègle. Alors, qui peut être la sorcière espiègle? Attention, on va voir ça tout de suite. Donc les petits bouts, si vous êtes intéressés, hein, vous pouvez prendre le code, hein, franchement, mais merci encore, mon gaming Sissi d'amour. Qui on peut mettre donc comme sorcière espiègle? La petite sorcière espiègle. Ah, mais il est là, Michael Jackson! Excellent. Mais je vais garder le mien, j'aime bien le mien. Sorcière espiègle, ça peut être... Nanana, Miku, je connais pas. Ça doit être un manga, très certainement. Link, Zelda, Saikiki, Kirby, Buzz, Kim. Je sais pas qui c'est. Aisata, je sais pas qui c'est. Senku, Levi, Itachi. Qui je peux mettre en sorcière? Bah, allez, en sorcière, on va mettre. Allez, je sais ce qu'on va mettre. On va mettre Marnie de Pokémon. Parfait. Et ben voilà, ça me paraît plutôt cool. Ça y est les petits bouts, on a le village au complet. C'est génial. On va voir ce que ça va donner. Oh, Michael Jackson. Elle fait blesser, c'est Michael Jackson, mon dieu. Non, il fait semblant d'être blessé, c'est pour me toucher les fesses. Oh, secours, c'est terrible. Oh, l'avatar du mal. Il est parti en direction du Havre des Elfes. Mais moi, Peter Jean, le sorcier nous protège. Casting. Aînée des fées, l'aînée des grandes fées, elle commande ses sœurs avec grâce. Oh, timide. Cadette des fées, timide au premier abord, la cadette est très gentille quand on la connaît. Et on a la Benjamine des fées. La Benjamine des fées se conduit en petit chef pour compenser sa taille. Et bah c'est parti. Donc du coup on va créer eh bien ces fées. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire des trucs connus? Allez, on va refaire des trucs connus, on va s'éclater à nouveau. Donc depuis l'historique, let's go. On va voir ce qu'on peut faire avec les trois fées. Ah, on aurait pu faire les sœurs. On a Nikki. On a Ariana, Nikki, Doja Cat. On va l'avoir en double Nicki Minaj. Mais franchement, le mélange est tellement magnifique que très sincèrement, ça me donne envie de faire ça. Mais attends, on va voir quand même autre chose. On va voir autre chose. On va voir ce qui est possible. Allez, depuis l'historique, veuillez patienter. Oui, je veux bien, Sally. Si tu peux le mettre sur le Discord, ce serait génial. Allez, on a notre trio. Ariana Grande, Nicki Minaj et Doja Cat. Bon, on l'aura en double, Nicki Minaj, mais c'est pas bien grave. Allez, ok, c'est parti. C'est excellent. C'est ce que t'as mis aussi. Ah, j'adore. Je vous en prie. Grande fée Ariana. Ah. Ariana Grande. Oh my god, on va voir Ariana Grande. L'elfe est blessée. Oh là 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 là, on va devoir le ramener au village. C'est parti. Havre des Elfes, mes petits bouts, on est arrivé au cœur du Havre des Elfes, regardez. Mais c'est génial. Salut, c'est Madonna. T'es peur. Ah, vous êtes au Havre des Elfes, mais depuis que l'avatar du mal est passé par ici, c'est compliqué. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Oh, salut les Powerpuff Girls. Hourra hourra pour Nikki. Nikki, c'est la meilleure. Elle est si douce, gentille, attentionnée. Elle est parfaite. Elle ne se laissera pas faire par l'avatar du mal. Ah, vive Doja Cat.
La plus cool des fées, c'est Doja Cat. Si capricieuse, si malicieuse. C'est ça, une fée. L'avatar du mal ne lui arrive pas à la cheville. Moi, je l'ai déjà lu. Je me suis trompé de bouton. Tout va bien. Allez, moi, je veux lire Bulle. Je vous aime, aux grandes fées Ariana. Je suis trop fan des trois grandes fées, mais ma préférée, c'est Ariana. Attends, on est vraiment dans le duel des stars. Ariana Grande, Nicki Minaj et Doja Cat. L'avatar du mal lui-même n'y résisterait pas. Oh là 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 là. Oh mon dieu, c'est Nicki Minaj qu'on a en double du coup. Femme jalouse. Et il n'y a que pour les grandes fées dans ce village. C'est nul. Je sais qu'on ne peut pas rivaliser avec leur pouvoir magique, mais je peux quand même servir à quelque chose, hein. Vous alors, vous avez tout compris. François Hollande. Ah, ne commencez pas à venir m'embêter, vous. Je n'ai pas la moindre envie de vous écouter. Déjà que je n'ai pas envie de me lever. C'est quoi ça, un avatar du mal? Hein? Marnie? Je suis une sorcière, vous savez. Disparaissez et hop. Oh, elle m'a vraiment fait disparaître. Alors vous êtes soufflé, pas vrai? Trop stylé. Ok. On est épuisé apparemment. J'aurais dû mettre Cardi B. Ah. Ah, au secours. C'est affreux, affreux, c'est Doja Cat. Benjamin Défait. L'avatar du mal, mes sœurs. Le havre des elfes a été attaqué par l'avatar du mal. Trois sœurs, les trois grandes fées, sont intervenues afin de protéger le village. Après un combat acharné, l'ennemi a fui du côté de la porte orientale. Hélas, les trois grandes fées ont baissé leur garde un peu vite. Des monstres sont arrivés et ont enlevé l'aîné et la cadette. Voici que la Benjamine a essayé de vous dire. Ouh là 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 là, mince. Bon, ça sert à rien de paniquer, dites-vous. Vous allez m'aider à retrouver ma grande sœur, Nikki? Bien sûr. C'est ce que je voulais entendre, alors on y va. Doja Cat a rejoint votre équipe, mais non. C'est excellent. Bon, Nikki a été emmenée à la grotte Tagroom. Allons-y. Ah oh yes, mes petits bouts, on a Doja Cat dans notre équipe, si ça, ça envoie pas du lourd. Eh bien, écoutez mes petits bouts, mais quel kiff ce live sur Mythopia. Je te remercie mille fois, mon Saïli d'amour, de nous avoir communiqué ce super code que tu peux bien évidemment mettre sur le Discord. Et j'ai trop hâte de poursuivre lors du prochain stream avec vous nos aventures sur Mythopia. Ce royaume promet d'être génial avec ces elfes que nous devons sauver, les fées de ce royaume elfique que nous devons sauver des griffes de terrible avatar du mal. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment pour ces 3h30 de live en votre compagnie. Vous n'avez pas idée à quel point ça me fait un bien fou quand je suis avec vous. Vous m'avez tellement manqué hier soir quand je n'ai pas pu streamer et je suis trop content d'avoir pu faire ça ce soir du coup. Merci pour votre soutien, votre générosité, vos follow, vos abonnements, vos bits, tout ça, ça me touche, et votre présence avant tout. J'ai hâte de vous retrouver très prochainement. Je vais essayer de streamer peut-être demain ou dans les prochains jours. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux. Vous pouvez compter sur moi. Je vais vous embrasser de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous surtout. Gros bisous à tout le monde et gros bonne nuit. Faites de beaux rêves, mes petits bouts. On se retrouve très, très, très vite. Je vous embrasse très fort. Merci. Je vous aime fort. Et merci pour votre soutien encore une fois. À très vite. Bisous à tous.